Every game matters for us making it to playoffs or not making it, so I just want to win every single match and get better every match. CLG is going to find their way into a 2-0 victory. They should be expecting to play like a different us. Almost overnight, we've literally changed our entire team atmosphere. We've got the goal of playoffs in mind, at least top six. We're hungry for it, you know, we're coming for it. It was a long way getting there, but Dignitas will find their win in game number two and take this series 2-0. 앞으로는 이제 초강화 센 팀이 아니고 그냥 잘하는 팀이 될 수 있을 것 같아요. Team Envy actually going to make it the 2-0 win over Echo Fox, only their second match win. Damn, we lost, but everyone's motivated to do better. I actually don't mind losing if we're going to improve after that. They're going to take down the Nexus! Echo Fox, they do the unthinkable and take down TSM! To prove I'm the best, obviously I have to win. TSM, they storm the throne room. Can they topple the Kings in the NALCS? They will! And in Cloud9, their first loss of the spring. Et de retour, messieurs, dames, pour attaquer cette deuxième journée de la sixième semaine des LCS NA. Petit sujet de la part de LoL Esport où on voit voilà, la hype se dessiner. Echo Fox qui a envie de se battre. Dignitas qui est également au coude à coude, qui a envie d'avancer. Et TSM qui veut toujours faire mieux. Ça va être encore une belle semaine de NA là, sachant que voilà, on a déjà pas mal parlé pendant ce petit pré-show. On est capable d'avoir des scénarios un peu rocambolesques, il y a eu beaucoup de changements au niveau des différentes line-up, avec voilà, Team Liquid qui voit Piglet en mid lane, avec Dignitas qui voit Cop arriver en tant que coach, avec Echo Fox qui nous fait des non-games et qui est capable en même temps de carry de ouf, bref. C'est un peu les feux de l'amour, mon bon garde. Echo Fox va gagner, c'est tout ce que j'annonce. Voilà, voilà le verdict est fait. Non, mais c'est un petit peu le problème, en fait. Enfin, le problème et aussi la joie d'NA, finalement, c'est que c'est la région où tout peut arriver, tout, et tu sais jamais à quoi t'attendre. Et du coup, eux, ils mettent Cloud9 premier, et évidemment, Cloud9 premier, du coup, vu qu'ils avaient gagné 2-0 face à TSM, je pense que c'est ça qui compte. Et aussi, évidemment, moins de défaites, plus de victoires, bon. Plutôt tranquille les Cloud9, mais les TSM ont des chances de finir premier. Dans la game Echo Fox Cloud9, le problème c'est que j'arrive pas à me prononcer. On a les deux junglers rookies qui sont tous les deux excellents. On a deux mid laners qui sont tout simplement monstrueux. On a deux top laners qui sont ultra bons aussi. Et je sais pas, il y a que la botlane par contre où clairement la botlane C9 est 10 fois meilleure. Ouais, c'est vrai qu'il y a un choc de rookies en fait dans cette première game contre Axe contre Acadian. Deux joueurs qui sont partis pour ravir, je pense, le rookie du split. Même si Codison fait un bon travail en général, je pense qu'il est quand même en dessous par rapport à ces deux joueurs-là. Il joue pas de jungler en fait, et du coup c'est bête, mais actuellement les junglers ont tellement d'impact que tu les vois briller forcément. Là où un Karyade, bon, il est bon, il est peut-être très bon, mais c'est pas lui qui va soulever sa team. Non, clairement, c'est difficile aujourd'hui dans cette méta d'arriver vraiment à avoir un rôle d'hyper carry au rôle de Karyade. Même si certains y arrivent, parfois, je pense au niveau de la Corée, je pense à Deft par exemple, qui sait trouver sa place. Il a fait un 8 tech H récemment. Je sais qu'il a fait un 8, c'est vrai. Ah, c'est tout. C'est... Non, mais tous les grands joueurs à un moment donné ont leur moment de tilt. Hein. La semaine dernière, Piglet nous a sorti un 1-8 aussi seul, avec H et maintenant il carry. Ouais, non, mais Piglet de base est pas bon, mais Deft, on a la preuve maintenant qu'il est mauvais, c'est tout. C'est une chose à prendre en compte, je veux dire. Tu sais que tu me spoiles parce que j'ai pas encore eu le temps de regarder la Telecom War là pour le coup. Toujours pas? Ouais, et je vais t'oublier de te casser les genoux à la pub. Oh. Non, je plaisante, il fait casser plus que moi, je vais me faire défoncer les gars. On fait jamais ça. C'est pas exactement passé ça, c'est pas du tout les 1-8 de Deft. C'est... Non mais c'est très intéressant à regarder. Et du coup pour ce soir, alors Echo Fox C9, c'est le problème, c'est-à-dire que Echo Fox ils ont perdu face à Apex. Face au Envious. Ouais. Ils se sont pris 2-0 face à la pire team d'NA. Mais ils mettent 2-0 à une des meilleures teams NA au TSM. Et du coup ils peuvent mettre 2-0 au Cloud9. Et je sais pas à quel moment, tu sais, c'est pas comme s'ils avaient battu CLG, Immortals ou quoi. Non, ils battent TSM.
Je sais pas quoi attendre d'Echo Fox. Je pense qu'ils vont être en forme ce soir. Je les sens vraiment chauds. Et c'est peut-être dans l'adversité finalement qu'ils sont les meilleurs. C'est-à-dire ils affrontent les meilleurs, bah, ils step up encore au-dessus. Bah, j'ai envie d'y croire honnêtement. C'est vrai que pour moi c'est vraiment une équipe qui est pleine de potentiel. Hein. Bon, Froggen a toujours été un très très bon joueur. Pas forcément toujours bien secondé, on va dire. Et là, bah, pour le coup, il a tout ce qu'il faut. Akkadian, je pense qu'Akkadian est au-dessus de Contrax quand même en général. Ouais. Il sort vraiment un sprint split qui est juste énorme en fait, et c'est une très bonne nouvelle pour les Nails puisque Akkadian est natif en fait d'Amérique du Nord, donc ça montre que la région en fait est un vivier de talent encore aujourd'hui. Looper, bon, reste quand même un top laner de classe internationale, et au niveau du bot side, bon, Gate a su trouver une certaine manière de carry avec sa Camille notamment. Il arrive à trouver sa place sur son Malzahar, sur sa Zera. Kiss, c'est pas le meilleur des ADC, mais voilà, on est dans une méta qu'il met pas trop en avant. Il est meilleur que Yuengbin. Il est meilleur que Yuengbin, c'est vrai. C'est pas faux. Il faut mieux voir la bouteille à moitié pleine. Tu as raison, Gardoum. Non, mais j'essaye de positiver un petit peu. Après, quand tu vois les stats de Froggen, bon, bah, 72% de key participation, quasiment 32% des dégâts de son équipe, avec 23% de gold. Enfin, c'est des stats qui sont tout simplement monstrueuses. Hein. Mais bon, ça a toujours été le joueur, bah, un peu le solo mid, Froggen, du côté de sa team. Même si là, voilà, le fait d'avoir Looper, c'est une bonne chose. Looper, ça tient bien. Et Looper face à Impact, ça va être un match-up qui va être super intéressant. Ouais, c'est vrai que ça va être super cool. Deux top laners coréens qui vont s'affronter et qui ont côtoyé les plus grandes structures. Alors je trouve que actuellement du côté de Looper, il est pas mauvais, mais est-ce que c'est le tout meilleur? Je suis pas sûr. Je pense qu'on peut peut-être trouver un petit peu mieux pour Looper. En fait, il arrive à trouver ses positionnements en flanking, mais c'est pas vraiment un fer de lance. Je trouve vraiment pour l'instant Echo Fox, c'est une line-up qui évolue en fait avec deux joueurs en figure de proue qui sont Froggen et qui sont Akkadian, et Looper est un peu en retrait là-dessus, et c'est vrai que pour un joueur de son expérience, on s'attendrait à quelque chose de différent. Ouais, on s'attendrait à beaucoup mieux, et moi il y a une game qui m'avait vraiment impressionné, enfin qu'ils avaient au final perdu, et ça avait été très douloureux. C'était Froggen avec son TF mid, je crois que Akkadian était parti sur un Kha'Zix ou un Graves, et Looper était au top sur un Jayce. En fait, les moves à Froggen plus Looper étaient super beaux, c'est-à-dire qu'il y a eu 8 kgold d'avance en 15 minutes de jeu, quelque chose comme ça. La game, elle était complètement gagnée, ils n'ont pas su la finir. Et c'est là où je me suis dit, merde, Fox, ils peuvent jouer super bien, mais en même temps, avoir aucune idée, comme des teams, je sais pas, des teams de Go for LOL, tu vois, limite, de pas savoir comment finir une game. C'est vrai que c'est un souci. Ça, à ce niveau-là, en fait, ça dépend aussi pas mal des dragons. Je trouve actuellement, on a vraiment un roulement au niveau des dragons qui, des fois, va être favorable, des fois, ne le sera pas. Et dans ce genre de game où tu arrives sur un triple dragon des vents, par exemple, on sait que généralement, les games ont tendance à se stall. Et puis, il faut garder à l'esprit qu'en NA, le buff Nashor est assez contesté et en fait, va pas forcément dans l'équipe dans laquelle tu t'attends. Donc, c'est vrai que ça a tendance encore à rallonger les parties, ce qui peut donner des scénarios un petit peu rocambolesques. Après, bon, du côté d'Echo Fox, c'est quand même une équipe qui va relativement vite en général. C'est un temps moyen de game de 37 minutes. C'est dans la moyenne rapide en fait, hein, des NA aujourd'hui. Et puis, bah voilà, ils ont leur duo jungler mid qui quand même joue très très aggro. Sachant que, donc c'est 37 minutes de jeu. Excuse-moi, t'as loupé les étirements de Sneaky. Désolé t'avoir coupé, mais c'était juste magnifique le coach qui était derrière pour lui étirer le bras. Inattendu. D'accord. Désolé, du coup, je t'ai coupé pour ça, mais ça m'a amusé. Mais oui, donc ce que je disais, c'est qu'en fait, Echo Fox, ils ont également la meilleure défense des NA, avec notamment la Anivia de Froggen. Et donc, 37 minutes de jeu, il faut garder à l'esprit que dedans, il y a des games qui sont assez longues. On a des games qui avoisinent les 1h, si je ne me trompe pas. Donc, en général, quand Echo Fox décide de jouer vraiment très agressif, ils sont capables de finir une partie rapidement. Ils sont capables, mais pas toujours. C'est un petit peu le problème, c'est... cette team toujours un petit peu space. Le point intéressant, comme tu l'as dit, c'est que 37 minutes, c'est bien mieux que l'année dernière. Et c'est là que tu vois l'impact du jungler. Ouais. L'année dernière, le problème, c'est que Froggen, bah, il avait pas un jungler de ouf. Et même si avoir un bon top laner, etc., peut aider, avoir un jungler quand t'es au mid, bah, c'est un peu comme des fois, il y a des teams qui font full focus sur Rainover. Là, il y avait full focus sur Froggen. Bon, bah, le pauvre était obligé de temporiser pendant à peu près 50 minutes avant de pouvoir faire quelque chose. Là, un jungler fort, ça dit au mid laner, un mid laner talentueux, hein, écoute, mec, vas-y, je vais essayer de te mettre dans de bonnes dispositions. En face, ceci dit, on n'est pas en reste, hein, bien évidemment. Jensen, c'est du très très lourd et c'est un des junglers aussi connus pour pas trop mal gérer. Il y a un V2 s'il se fait gank. Midlaner pour le coup. Midlaner, pardon. Ouais, non, clairement. Mais c'est vrai que la relation mid-jungle des Cloud9 est aussi très forte. Contrax, Jensen, ça envoie du lourd. Alors j'avoue que, en fait, je pense que Jensen est un peu plus fort que Froggen et je pense que Akkadian est un peu plus fort que Contrax. Donc pour le coup, le 2v2, il est vraiment super super close. Après, au niveau du bot side, bon, je pense qu'il y a quand même largement avantage à Cloud9. Smoothie est vraiment bon, a complètement fait sa place maintenant, hein, au niveau de l'effectif. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, c'est un joueur qui est l'un des rares supports à partir régulièrement sur du support tank.
dans cette méta dans laquelle on voit beaucoup de Karma, de Zairan, Malzar, de MF, bah lui, son main pick aussi, c'est Taric. Ouais, Taric, en fait, c'est plutôt adapté, je trouve, quand tu joues face à des personnages tels que Varus, Jhin ou Ashe, en fait. C'est-à-dire que dès que tu vois le lock adverse qui arrive, dès que tu vois arriver, tu mets ton ultimate. Le temps que la team adverse arrive, t'as l'ultimate qui a quasiment déjà proc. Et du coup, c'est, je pense que pour counter un petit peu cette méta, bah, je t'engage à distance et ensuite je te rush, c'est pas une mauvaise chose. Là où Taric, c'est dur à sortir, parce que normalement, l'ultimate, je crois que c'est 2 secondes de canalisation, un truc comme ça, enfin, c'est assez long. Il me semble, et du coup, ouais, tu dois vraiment anticiper le teamfight parfaitement, c'est quasiment impossible. Bah, quand tu vois un CC comme ça qui arrive à distance, tu fais ok, je vois le CC, j'appuie sur le bouton, le temps qu'ils arrivent, on prend quelques dégâts, on est invulnérable, allez-y les mecs. Ouais, non, clairement, donc c'est vrai que ça marche pas mal. Donc le bot side qui devrait être à l'avantage de Cloud9, et au niveau de la top lane, c'est la grosse question. Alors déjà, première question, qui sera aligné chez Cloud9, puisqu'on voit que très régulièrement, en fait, Ray est mis en avant. Il a quand même joué 5 games, hein, mine de rien, dans le split, ce qui n'est pas à négliger. Et d'ailleurs, ça va être Impact là, qui va être annoncé. Donc là, Impact Looper, au vu de l'état de forme des joueurs, mais j'ai envie de dire avantage Impact. Au niveau du palmarès, c'est close, hein, parce qu'on a deux joueurs qui ont été très loin de leurs deux côtés. Il faut savoir que Looper a très bien performé, bien sûr, en Corée, mais également en Chine. Et maintenant, du coup, en NA, donc c'est un joueur qui a voilà, un passeport tamponné par plusieurs fois et qui a su tirer en fait, les enseignements des différentes régions dans lesquelles il a joué pour encore devenir meilleur. Du côté d'Impact, voilà, la Corée, Skytty T1, on connaît bien. Maintenant les NA, chez Cloud9, il y a une vraie place dans laquelle il est complètement à son aise dans son rôle de, voilà, de joueur de tank. Il commence à jouer un petit peu de carry, on voit de la Camille notamment, et d'ailleurs c'est le seul split pusher sur lequel on voit l'Impact évoluer. Ouais, c'est assez amusant d'ailleurs. Après, est-ce que Shen peut être considéré comme un split pusher? Pour moi c'est plus un... Enfin, alors, je me suis peut-être mal exprimé. C'est le seul carry sur lequel on va s'exprimer. D'accord, ouais, effectivement, parce que... Mais... C'est vrai qu'il c'est pas un joueur de Furon ni rien. Et je pense que Ray, là où on commence à revoir des Renekton, etc. au top, Ray c'est son playstyle. On rappelle que Ray l'année dernière il était chez Apex du coup. Et mécaniquement très impressionnant. C'est le gars qu'on voyait sortir des Irelia, Draktar, etc. Donc full damage. Oui, c'est vrai. Des Jarvan un petit peu, même si un Draktar Tiamat qui était là. Vraiment pour carry sa team. Voilà, c'était sa passe ou sa casse. Un peu comme Ai a tenté l'autre jour en mid lane. Et c'était quelqu'un de très bon. Mais là voilà, on veut assurer la chose. On se dit bah Echo Fox, on sait pas à quoi s'attendre. Ils peuvent être bons, ils peuvent être puants. Et je pense que c'est une bonne chose de mettre Impact justement, voilà, par respect pour l'Echo Fox, pas prendre de risques, parce que l'Echo Fox, bah, ils ont mis 2-0 à TSM, et à un moment tu dis, ok, ils se prennent 2-0 par Envious, mais on sait pas à quoi s'attendre. Du coup, first pick, Rengar du côté d'Echo Fox, en face, instantanément, le Graves de Contract. C'est dommage, enfin, c'est presque dommage toujours de pas first pick Graves, après bon, Rengar ça fait une frontline. Rengar ça marche pas mal, c'est vrai qu'aujourd'hui en fait le champion est vraiment très plébiscité parce que t'as le duel dans quasiment n'importe quel match-up et surtout c'est une très bonne réponse à Jhin qui est extrêmement plébiscité dans le jeu aujourd'hui. Donc l'un dans l'autre, sachant que Akkadian est un fer de lance chez Echo Fox, ça a du sens hein, de vouloir récupérer le Matou en première rotation de pick. Après côté Cloud9 on s'est quand même mis super bien avec ce duo de carry AD qui frappe très fort, qui apporte du lock en long range, qui apporte également une petite domination de lane au niveau du bot, hein, un Jhin. Alors peut-être pas forcément dans le 2v2, c'est pas le meilleur des champions, mais par contre sur une phase de gank, ça marche très bien, ça apporte beaucoup de contrôle. Ah ouais, on sécurise le Shen pour Looper. Ça c'est excellent, parce que Shen concrètement il a pas de counter au niveau de la top lane. Voilà, c'est-à-dire que là si on sort Camille en face du côté des Cloud9, Shen ça tient très bien Camille, ça tient très bien tous les match-ups, c'est mieux que Maokai, ça tient bien Nautilus, y a pas de souci, en plus ça peut aider la team. En termes de split push, c'est monstrueux. Quitte à ce qui est Camille, tu vois, j'aurais bien aimé voir Gate une fois encore dessus. Ouais, Camille, moi aussi, ouais, j'avoue. Et Camille est open pour l'instant. Et d'ailleurs, petite stat à la volée, ce sera le premier Rengar d'Akkadian dans ce Spring Split 2017. C'est le seul jungler de la méta qui n'a pas joué. Donc j'avoue que je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et côté Cloud9, on avance cette draft. Pour le coup, Smoothie qui part sur Thresh. Ah, intéressant, support à engage, support playmaker. Donc là on est vraiment sur une duo lane qui est là pour mettre de la pression, qui est là pour être véritablement un danger pour l'équipe adverse. Et en plus derrière avec un Graves qui va apporter beaucoup de dégâts, la synergie est assez forte. Je trouve que contre Karma d'ailleurs c'est plutôt une bonne réponse, puisque bon, même si Karma apporte une bonne protection et une phase de push forte, elle est quand même très sensible à un hook. Ouais, effectivement je suis d'accord avec toi. Et puis bon, ce côté comme tu l'as dit avec Graves, t'as besoin de lane qui ont du CC. Ouais. Et forcément, bah là, t'en as énormément en botlane. Il y en a 3, sans compter le ralentissement, bien évidemment, de la part de l'ultimate de Jhin et de l'ultimate de Thresh. Donc, c'est toujours très bon. On va ban des carry AD du côté Cloud9. S qui a été enlevé. Il y a toujours Ashe qui open. Faut faire attention à ça. On a toujours Ashe, il y a toujours Caitlyn qu'on voit parfois pour gérer les Jhin durant la phase de lane. Comme c'est que là, Caitlyn, ça mettrait beaucoup de temps à se mettre en place. Après, ça peut aussi être le choix d'Echo Fox. C'est-à-dire que là, Caitlyn à Nivea, c'est exactement leur playstyle. C'est écoutez, les gars, la game, on va à la tempo. On va à la tempo la game. Il y a là Nivea qui open.
Il y a Caitlin qui peut très bien tenir Jean. Avec Arma, ça passe sans souci. C'est, on va peut-être pas gagner leur lit. C'est pas grave du tout, on n'est pas là pour ça. Mais vous en faites pas, après 45 minutes de jeu, on revient. Ouais, c'est possible qu'ils jouent comme ça. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure stratégie pour faire tomber Cloud9. D'essayer de les prendre, en fait, parce que là, c'est jouer comme ça, c'est jouer à la macro, en fait. Hein. C'est jouer tout simplement à la tactique. Quand tu sais que côté Cloud9, bah, c'est peut-être, je dirais, c'est top 2 en termes de stratégie dans ce classement. Et derrière, Reaper apporte vraiment beaucoup à l'équipe. Et je ne vois pas le coach C9 ne pas avoir prévu un plan de jeu dans ce genre de cas. Et là, on voit d'ailleurs la draft de Cloud9 qui est vraiment faite pour percer cette défense avec un gros bully laner en top lane pour Impact, le Renekton qu'on voit revenir de plus en plus. On a une duo lane qui met beaucoup de pression également, dont on avait parlé avec ce Jhin et ce Thresh. Un Graves qui va apporter énormément de dégâts, qui va être archi dominateur dans la jungle, d'autant plus que AKD est sur un jungler qui ne gank pas tôt dans la game. Là où pour Contrax, du coup, il y aura un petit boulevard dans les premières minutes de la partie. Attention, ici, ça fait plaisir de voir Cloud9 prendre vraiment le parti de l'offensif. Maintenant, tout ça, c'est de la théorie. Il va falloir voir ce qu'il donne sur le papier. Ouais, et on l'a vu hein, hier, c'est-à-dire que les drafts qui sont un petit peu late, comme là, on les EcoFox actuellement, face au draft early qui joue bien, malheureusement, bah, t'arrives pas à ce late game, t'arrives pas à tes 3 items au moment où t'es censé être fort. Donc ça peut être difficile, là, Anivia de Froggen, forcément. Oh là là là. Allez, open. Alors, est-ce qu'ils vont y aller? C'est-à-dire que là, Larry, c'est un bon choix, parce que finalement, t'as le combo Shen, Rengar, Harry qui est très bien pour aller chercher les adversaires très loin. Maintenant, c'est-à-dire que tu vas essayer de jouer un petit peu l'agression, t'en as la possibilité, t'as un combo, enfin, c'est-à-dire il y a beaucoup de shield, Rengar il va pouvoir aller free dans les fights, t'as Larry qui va pouvoir être un petit peu en backup, au même titre que Pawn l'avait déjà fait du côté de la LCK. C'est pas inintéressant, et la botlane tu la laisses en mode, bah écoutez les gars, perdez pas, vous allez nous booster. Ouais, c'est sûr, une Harry du coup, pour avoir un peu d'offensif, j'ai envie de dire pourquoi pas, pour accompagner ce Rengar dans la mêlée, ça a du sens, et avoir au moins une lane qui peut être dominatrice, au moins sur le papier. Du coup, côté Cloud9, on va jouer la serrure cette lane-ci. Or, il y en a qui va être validé pour Yensen. Pas forcément le champion sur lequel on a l'habitude de le voir évoluer. C'est plutôt un personnage, enfin un joueur qui va être playmaker, qui voilà, préfère des champions un peu plus mécaniques. Mais bon, ça, Yensen, il est déjà sorti deux fois. Il n'a gagné sur qu'un seul match sur le champion. Par contre, il a quand même un KDA de 15. Donc voilà, le personnage est maîtrisé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et je trouve que derrière, c'est un pick qui va assez bien avec un Renekton, qui peut souffrir en mid-game, notamment d'une grosse phase de kiting. Et le fait d'avoir le shield de sursoi de cette Orianna, plus l'ordre de dissonance, ça va permettre de pouvoir peut-être aller un peu plus loin dans la backline, pouvoir aller au moins zoner Kiss et Gate. Maintenant, la grosse question pour Cloud9, c'est comment est-ce qu'on gère le combo Shen plus Rengar? Ouais, c'est là où ça va être un petit peu compliqué. Shen Rengar, c'est pas le truc simple à anticiper, mais après t'as toujours la question de placement. On rappelle que Rengar, en fait, la cible qu'il révèle et qu'il voit, c'est celle qui est le plus proche de lui, ce qui donne l'information aux adversaires en fait de son propre placement. De façon indirecte, face au team qui joue bien, ils savent exactement où est Rengar, enfin exactement, sans la distance, mais ça c'est déjà quelque chose de très important. Donc niveau top, en théorie, bon, on a un Shen qui va peut-être se faire un peu push, mais c'est pas incroyable. Jungle, early game pour Contract, clairement, le very ouais. Early, et on attend le niveau 6 d'Acadian. Mid lane, ça devrait se tenir sans trop de problèmes. J'arrive pas à donner d'ascendant. C'est un match-up qui est verrouillé à Orianna. Enfin, en fait, en général, Orianna verrouille quasiment tous ses match-ups. Ah, tout simplement parce que c'est indélogeable comme champion. Hein. C'est un très bon dégât sur le temps avec l'auto-attaque. Ça tient sur les trades très courts avec son shield. Ça, c'est capable d'ailleurs de te mettre une grosse phase de dégâts avec juste un combo QZ plus l'ordre de rappel qui permet de mettre le Thunderlord. Bref, pour la mid lane, ça va être un peu bloqué. Après, voilà, le bot side. Beaucoup de choses vont s'y décider, ce serait pas étonnant d'ailleurs de voir au niveau 6 EcoFox tenter une phase bus au niveau de cette botlane décalée à 5 avec un TP de Shen, avec un ulti d'Acadian, avec un décalage de Froggen. D'ailleurs Froggen qui part sur un Ignite, chose qu'on a de plus en plus rarement sur la mid lane. Et c'est quelque chose qui est pas mal, Froggen il annonce déjà qu'il veut agresser les adversaires. Parce que là en termes de lifesteal en face, il n'y a rien. Il y a un Renekton, ok mais c'est assez limité, Graves pas avant qu'il ait pas mal de stuff. Et du coup c'est vraiment pour dire bah, je prends le fight 1v1. Froggen qui va prendre ses responsabilités, alors après tout va se jouer après niveau 6 du côté d'EcoFox. Là où le problème c'est qu'on a déjà des ganks assez top qui sont assez simples pour les Cloud9. Top, t'as le stun de Renekton qui va jusqu'à je crois 1,75 secondes s'il y a la fureur. Bot, t'as la peine capitale, t'as le fauchage et t'as la foreuse mortelle. C'est-à-dire que l'adversaire ne bouge pas pendant plus de 3 secondes. Du coup on a un Contrax qui là où il gagne leur league game de base face à un Rengar, et en plus toute la compo orientée autour de lui pour ça. Ouais, clairement. Et alors je me pose la question, je sais pas si Cosbit a l'info, si on est passé sur 7.4 ou si on est encore sur 7.3. Hier soir c'était le 7.4 me semble-t-il, c'était écrit 7.4 dans la sélection des champions. Okay. Ok, très bien, donc on est sur le patch sur lequel la létalité... Oui on en avait parlé exact avec la First Breed qui était moins forte. Donc Graves est un peu moins fort sur ce patch-là, mais il reste quand même archi-dominateur.
Ok, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur d'ailleurs pour Cloud9, le fait d'avoir deux carry AD face à un Shen. Parce que même si Graves a beaucoup de dégâts par ses spells, il a quand même besoin d'auto-attaque en teamfight pour arriver à se rendre efficace. Et la zone d'anti-auto-shot de la part du Shen va quand même être relativement gênante. Donc voilà, il faudra voir là-dessus. Contrax a une grosse responsabilité. D'ailleurs, qui start au Raptor. J'ai l'impression que le start Raptor, c'est vraiment devenu le standard maintenant. 88% des gens qui veulent Cloud9 gagne. Ouais. Après, ouais, le Starter Raptor, c'est standard parce que juste en faisant les petits, tu passes déjà niveau 2. Et du coup, c'est extrêmement intéressant. Disons que c'est le camp qui rapporte le plus de gold et d'XP, finalement, d'XP notamment. Et plus tu le fais tôt, bah, plus il va revenir tôt. Donc en termes d'optimisation de la jungle, c'est le plus sympa. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et il l'a fait sans pool en fait, j'ai l'impression, l'ami Contrax. Ah non, c'est pas possible, il a perdu aussi peu d'HP avec son Graves. C'est quand même étonnant ce qu'on voit, il a encore les deux stacks de potions rechargeables. Alors peut-être que Jensen a dû mettre un petit Q-spell ou un shield éventuellement. Non, il a starté au Q pour longtemps. Ok, donc du coup, au contraire, ce qui est vraiment très très bien dans sa jungle là. Au niveau de la mid lane, on a la domination au niveau du push également. Jensen là qui met un peu de rythme, qui a réussi à trouver un Thunderlord, mine de rien, c'est Harry. Et qui va pouvoir continuer de mettre la pression. C'est l'un des gros problèmes d'Harry au niveau de la lane. Enfin, l'un de ses points faibles plutôt, d'un gros problème, c'est les coups en mana en fait. Hein. Le last hit sous tour qui est pas évident. Bah, malheureusement, t'es obligé d'attendre le retour en plus de ta boule. Enfin. T'as pas beaucoup d'armes, à moins que t'aies beaucoup d'AP, mais c'est aussi le souci de la plupart des assassins en mid lane. Tu prends un talon, si t'as pas assez de stuff, ton Z, il va laisser les creeps à 1 ou 2 HP. Et Harry a un peu le même souci. Tous les personnages qui ont un profil type légèrement assassin, si tu n'as pas d'avance, t'as une petite galère pour le farm au niveau de la mid lane. Et une fois que t'es devant, par contre, bon bah tu mets ta spell principale qui permet de clean très très rapidement. Ouais, exactement. Et on voit, il y a une scène là qui vraiment n'hésite pas. On joue très très aggro. Froggen qui est déjà mid life, qui n'a plus de potions, hein. Là où Jensen en a encore une, et voilà, ça continue l'ordre de dissonance, ça passe le shield, on active les auto-attaques, c'est bien fait, ça gratte, Froggen, niveau 4 qui va devoir rentrer à la base, Froggen qui arrive tout de même à tenir avec seulement 3 CS de retard en termes de farming. Ah, on rappelle que Froggen, il est parti avec un Ignite, hein. Du coup, à la base, une lane agressive, où il veut prendre l'ascendant absolument, donc il va falloir en profiter, attention, Contrax ici, counter jungle, sans problème. Ouais, sur les Krug, effectivement, attention le décalage là. De la duo lane au niveau du top, premier gang d'Akkadian sur son Rengar, attention niveau 4, double buff, la férocité qui vient de disparaître malheureusement, alors attention, skimpact sur Renekton, c'est bon, il avait la fureur, il vient de la dépenser, toujours faire attention au genre de gang quand tu vas aller sur une top lane avec un champion qui a énormément de dégâts comme c'est le cas avec Renekton, c'était pas full life, ça arrive souvent le cas de figure du Renek qui, en fait, qui va turn, qui va te mettre un stun, une auto, un Q spell, et tu peux y passer parfois. Ouais, parce que Renekton en plus de ça il stack très vite la fureur, hein. C'est aussi pour ça qu'on prend la fureur du combat. Donc chaque auto-attaque c'est 2 stacks. Auto-attaque plus Z, si le Z est à 50 de fureur, ça met 3 auto-attaques, donc il est déjà à 8 stacks. Donc boost d'AD, et c'est juste monstrueux en fait. Et c'est aussi une des grandes forces de Renekton lorsqu'il doit gérer les 1v2 en termes de gank. Il y a le lifesteal, mais il y a aussi ses dégâts tout simplement monstrueux. Tu places ça, tu gagnes de l'AD, du coup ton Q-spell te rend plus et te fait perdre plus. Ouais, exactement. Alors on va encore attention, le Thunderlord qui est appliqué sur Froggen. Froggen maintenant là qui revient avec un double Doran, ça devrait aller mieux au niveau de la tenue de lane. Tout simplement parce que t'as ce pool de mana qui compense, on va dire, la petite faiblesse dont je parlais tout à l'heure en termes de, voilà, de coup en mana des spells de Harry. Et si Harry peut balancer plus de spells, il y a le passif qui revient plus souvent, qui te permet de lifesteal, qui te permet d'être un peu moins sensible au POC de Jensen, puisqu'on parle clairement de POC ici, hein, et pas vraiment de très gros trade all-in. Parce que tu peux pas vraiment rester exposé longtemps avec une Orianna. Parce que même si tu tiens avec ton shield, à Harry, faut reconnaître que ça a quand même beaucoup de dégâts. Ouais, c'est là pour te détruire, là où t'es là normalement pour gérer un petit peu toute une team. Froggen d'ailleurs qui a très bien fait son back to l'heure, c'est-à-dire que là en termes de farm, bon, il est maintenant à 6 CS, il était toujours à 3 CS après son back. Et c'est aussi, voilà, il se fait dominer par Jensen ici, c'est pas ouf du tout. On a bientôt le niveau 6 d'Akkadian, et là le niveau 6 normalement devrait débloquer pas mal de choses pré-Fox. Ça peut être simplement un gros rush botlane en fait. Botlane, tu mets le. Oh le hook, attention, Smoothie là, c'est bien, le flaky a passé sur Kiss. Et malheureusement, Sneaky n'arrivera pas à linker ses dégâts derrière. Et pour revenir rapidement, donc ouais, si tu le disais, hein, le niveau 6 d'Akkadian qui va pas tarder à être récupéré, niveau 6 de Froggen aussi, en espérant que ça puisse faire un petit peu de changement au niveau de cette phase de lane, puisque pour l'instant, Cloud9 est en train de mettre 500 gold juste au farming à son adversaire, notamment cette mid lane. Là, l'écart qui s'est encore creusé drastiquement entre Froggen et Jensen. Ah, c'est compliqué malheureusement à gérer ça. C'est le genre de game où, voilà, Froggen est certes bon, mais pas toujours. Et dans cette game, bah, c'est une game un petit peu en dessous pour l'instant. Attention, on parle juste là de la phase de lane face à Jensen, qui est tout à fait décent comme joueur. Non, Jensen qui est vraiment excellent mécaniquement en termes de laning. C'est l'un des tout meilleurs en NA aujourd'hui. Bah, je pense que c'est vraiment le seul mid laner, avec Ryu peut-être,
qui est capable vraiment de gêner, d'inquiéter Froggen, Bjergsen pardon, sur la mid lane. Et là il nous le montre encore avec Saryana avec un lane control qui est quasiment parfait. Il est en train de le bully hein, tout simplement. Ouais, c'est dur quand tu appelles Froggen de te faire bully à ce niveau-là. Du coup, toi, tu vois pas Froggen tenir tête à Bjergsen? Non. Très bien, je note, mais pourquoi pas? Après, ils auront juste mis 2-0, quoi. Non, j'aimerais bien voir le match retour quand même, parce que ça ne m'étonnerait pas que ce soit un gros upset, un petit peu comme on a eu les Albus Nox qui ont bien avancé au niveau des Worlds. Ouais, peut-être, hein. Pour avoir revu le Albus Nox jouer récemment, il s'appelle M19. Ouais. C'était horrible. Ouais, c'est là que tu dis qu'en fait, au World, ils ont joué, mais ils devaient être sous testostérone, sous stéroïde, je sais pas, hein, ils jouaient pas à leur vrai niveau. Parce que là, leur vrai niveau aux IUM, le niveau des M19, c'était, je sais pas, Gold, Solo Q Gold. Les moves étaient pas synchro, c'était. Viens, on met tous les CC en même temps, 0,5 secondes, et après on en voilà. Attention, l'ulti sur Jensen, le flash, on se repositionne, le bisou était juke derrière le dive, la shockwave et le first blood pour Akkadian. Attention, le contre, Axe qui arrive, qui flash in, qui piffe un peu les spells là. Akkadian est encore en vie, Impact qui a envie de partir au chase. Mais ça me semble compliqué pour le coup. Et on voit la stat à la volée. Akkadian, il est sur 94,1% des first blood de son équipe. C'est le record en NA dans ce Spring Split. C'est pas étonnant. Akkadian, véritable machine à premier sang. Ouais, on va revoir le move ici. Froggen qui va malheureusement pas toucher le charme. C'est pas mal dodge de la part de Jensen. Et Contrax après qui va essayer d'anticiper le Q-spell. Il va le mettre en dessous avec un flash. Mais c'est complètement raté. Ils sont partis de l'autre côté, les autres joueurs. Il y a une tentative quand même, hein, d'anticipation. Je vois pas l'intérêt du flash ici, honnêtement. Pour changer la direction du Q-spell. Ouais, tu penses? Bah, c'est la seule raison que je vois, en mode surprise les gars, vous pensez avoir dodge en allant vers le bas, parce que lui venait de la gauche et du coup il s'est dit forcément s'ils vont dodge, ils vont dodge okay. En allant vers le bas, vers la tour. Du coup il fait un flash, il fait vers le bas et en fait ils vont dodge à gauche. Ça a été du beau brain en très peu de temps finalement. Ouais, bon, ça n'aura pas suffi, mais ok, tentative, pourquoi pas là pour Contrax qui arrive un peu late. Et bah c'est le duo Rengar-Shen, honnêtement c'est très très fort. Et là pour quand même que Jensen avait tout craqué hein. C'est ça qui est difficile, c'est que bah, tu joues quand même une Orianna qui est l'un des AP mid les plus safe du jeu aujourd'hui. Ton flash et ton go sont disponibles. Tu ne prends pas le charme de la Harry. Mais voilà, derrière, trop de dégâts malheureusement, ça suffit pas. Et donc Jensen qui lâche le premier sang là. Et qui du coup, ça permet à Froggen de remonter au niveau du creeping. De repasser quasiment à égalité. Bon voilà, c'était sans compter cette vague de sbire. Là, Jensen qui va pouvoir reprendre un petit peu d'avance. Mais on n'est pas sur un écart de 15 creeps actuellement. Non, et puis la grande force de Froggen, ça va être de décaler sur les autres lanes. Notamment cette duo lane, hein. Il n'y a pas du tout d'escape. Il n'y a que les flashs, mais ça n'a pas d'escape naturel ni rien. La lanterne de Thresh, il faut qu'il soit correctement placé, qu'il ne soit pas CC. On rappelle qu'un Thresh CC, bah, les alliés peuvent pas prendre la lanterne. Et Shen, Rengar qui peuvent venir en backup. D'autant que sur Looper, on a toujours la téléportation. Il n'a pas dû l'utiliser tout à l'heure. Oh là, attention, Smoothie, flash play, la box. Flash out pour Kiss derrière le turn de Gate qui va activer le lien vital. C'est très bien fait le montre à Q qui touchera deux joueurs et encore un hook. Kiss en difficulté, la pratique qui a été claquée, Smoothie qui tank pour deux, le heal a été concédé, la préfiguration ça passera pas, le flash in et Sneaky qui récupère ici les fruits de cet excellent 2v2, Clone Knight qui prend ses responsabilités, ça paye Gardom. Ouais ça paye, c'est poussif, ça va chercher loin. Mais ça fonctionne et surtout on a fait claquer la téléportation de Looper. Donc j'avais dit que c'était un avantage qu'avait l'EcoFox Chamantin. Mais le retour, le critique, Jensen, le bisou qui est passé, Jensen qui va tomber la deuxième fois. Froggen qui prend le kill cette fois-ci, encore un combo qui est parfaitement exécuté. Ça fonctionne bien cette duo lane. Hein. Enfin, ce duo jungle mid, t'en avais parlé tout à l'heure. Ça tourne extrêmement bien et je pense que c'est une bonne idée de mettre Froggen dans de bonnes dispositions. Au top Looper, c'est un tank, il en a pas vraiment besoin. Au bot, c'est qui c'est Gate, ça leur servirait à rien. Et du coup, je pense que c'est le meilleur choix qu'il puisse faire à Akkadian, c'est de dire à Froggen, écoute, Tari, bah moi je vais essayer de te mettre bien sur Tari, comme ça après t'as plus qu'à gérer la game. Le Shen qui est denied là par Impact, et derrière après ça passe. C'était assez close, hein, mine de rien. Joli sidestep de Gates, et derrière la sanction, l'auto-attaque. Assez propre là, belle prise de responsabilité de la part de Smoothie, qui montre que bah, il est capable d'être une menace lui aussi sur son Thresh. Et là ça paye pour le coup, donc. 4 summoners de concéder de part et d'autre au niveau des duo lane. Mais voilà, la Yumi de compléter maintenant pour Sneaky qui est en train de mettre 20 creeps à son adversaire. Et là qui va arriver déjà sur un premier spike qui est loin d'être mauvais. Il va partir normalement sur marteau de Caulfield juste après. Ah, quoique, parce qu'avec Renek, t'as aussi la possibilité de faire un Tiamat si tu veux vraiment jouer en mode juste hard push. C'est un thème qui apporte beaucoup d'AD. Bon, là, comme ça. Oh, attention, Froggen. C'est mid life. Oh, joli sidestep encore là. Jensen qui est toujours très réactif sur les esquives. Et ça, c'est une shockwave vraiment pour dire écoute, mec. Bon, t'es à 1-0-1 et t'es devant au phare, mais tu sais pourquoi c'est moi le patron ici.
Bah, c'est ça qui est assez amusant aussi, c'est-à-dire que juste avec le farm, Cloud9 depuis le début de la game, tu l'avais dit tout à l'heure, ils étaient devant en gold. Là, ils compensent largement en fait les deux clics en face. Le charme qui va toucher. On se laisse pas faire du côté de Froggen. Hein. Dès qu'on peut, on essaie de placer quelques spells. Contrax qui est vu, pile sur une ward malheureusement. Dragon des nuages. Contrax. La mauvaise surprise. Oh, il a dashé. Il a dashé l'ulti pour se repositionner. Attention, les bons dégâts, mine de rien, la Kiss. En danger, le rappel du rideau sur Gate, c'est pas mal. Les deux balles qui vont passer la troisième, la quatrième. Oh, le Stay United qui est forcé. Cloud9 qui répond très très bien à cette escarmouche et qui force l'ulti du chêne pendant ce temps-là. Impact, et bien forcément, il va pouvoir push là. Et on est sur un Renekton qui part Black Cleave. Le choix des Fox, c'est un peu douteux en fait. C'est-à-dire qu'ils préfèrent utiliser le Stay United de la part de Shen plutôt que de mettre Froggen devant, se prendre la quatrième balle. Puisque ça aurait forcé Froggen à back, à perdre de l'XP et à perdre des golds. Et du coup, ils veulent vraiment dire écoute, mec, non, on va cramer nos ressources à nous, mais toi, tu en récupères un maximum. Ce combo, décidément, Yensen, le bisou qui est passé, le critique, l'Ignite. Le kill pour Akkadian, c'est la spéciale. Hein. Toutes les minutes, il va se la prendre celle-ci. Et pourtant, regardez l'élimination de Yensen. Il était parti sur des bottes de Mercure assez tôt pour essayer d'être moins sensible à tout ça. Mais ça ne suffira pas. Trop de dégâts. Par contre, bonne compensation en cross-map. Cloud9 arrive à faire la première tour de la game. Ouais, première tour, 800 golds d'avance. Là où finalement, les Fox n'arrivent pas pour l'instant à récupérer celle adverse. On va arriver en défense. Hein. On voit que du côté des Cloud9, il y en a 3 à se déplacer dans la rivière. Jungle mid, support. Jungle AD support, pardon. Qui vont venir défendre corps et âme cette tour. Plus beaucoup d'HP tout de même, c'est-à-dire qu'à la prochaine altercation au mid, la tour tombe. C'est ça exactement, et ça va être un problème. Là, Yensen à 0-3, on n'a pas l'habitude de voir ça. C'est assez inquiétant. Après, c'est une arena qui est quand même bien farmée, donc qui n'est pas trop retardée. Il y a juste un niveau d'écart avec, avec Froggen. Voilà, il sera relativement efficace tout de même. Mais par contre, cet Ahri, 1-0-2, avec son Abyssal en poche maintenant, sur le prochain timing de l'ulti du Rengar, attention, ça peut faire encore très mal. La question c'est, est-ce qu'on va réappuyer sur cette mid lane pour récupérer la tour peut-être, ou pour mettre encore plus au fond la mid Yensen, ou est-ce qu'on essaie de décaler, notamment peut-être stopper court à la domination de la bot lane des Cloud9? C'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué, parce que la bot lane, justement, t'as tout l'intérêt que c'est une lane qui va scale énormément. C'est très bon en early de toute façon, mais en même temps ça scale bien le Jin, ça permet de faire pas mal de hack. Attention ici, oh, flash out de la part de Contract. L'arrivée de Froggen qui doit flash in tout de même pour essayer d'aller chercher ce move. Ça passe pas, flash out de Contract, et je pense que c'est un bon choix pour lui, hein, d'avoir survécu ici, de pas avoir hésité à claquer le flash, puisque donner des kills à Froggen, c'est pas ce dont t'as envie. Non, clairement pas. Clairement pas là. Et attention au niveau de ce bot side, Impact qui va devoir tenir en 1v2 avec son Renekton, le TP. Bon, est-ce qu'on pourrait partir sur un dive? Le Dominus qui est claqué tout de suite, on va clear un maximum. Attention, le turn! Mais oui, mais Gate qui fait la charge, Gate en difficulté. Kiss qui prend le relais au niveau de la gauche. Le flash du Impact qui prend son kill en 1v3 et qui leur explique la vie. Mais quel était ce dive NA? Bah, pardon, c'est dans la question, NA évidemment. Enfin, c'est un Renekton qui est sous Dominus. T'es une Karma forcément qui va te stun sous la tour si t'as l'aggro. C'est tellement sûr, je comprends pas comment les Fox font une telle erreur. Parce que là, du coup, les Cloud9, ils récupèrent la T2 top. Les T2, mais c'est complètement worse. Ils ont déjà push cette lane énormément. Et ils vont pouvoir très rapidement ensuite faire un switch bot si nécessaire. On a la TP d'Impact qui est up. On est 5 minutes avant le pop du Nashor. Là, ils peuvent se balader sur la map. Les Cloud9, ils ont pas grand chose à perdre. Pas d'objectif important. Ouais, non, c'est sûr. Hein. C'est assez propre là. Impact qui sort quand même un gros blaze. Il leur a forcé le flash, mais voilà, tout de même, c'est heal. Enfin, pardon, c'est le heal de Kiss qui est claqué, flash de Gate, fatigue, on va revoir cette action d'ailleurs. Là, on voit, dès que le TP part, c'est ok. Dominus, on cleave, on cleave, on cleave, on cleave, on kite, on turn. Le Black Cleaver qui est appliqué, le taunt qui passe, mais voilà, c'est pas un problème derrière. C'est le switch d'aggro en fait qui est un peu malchanceux pour Echo Fox. C'est pas aussi foireux que les dives qu'on avait eu hier, par exemple, de la part de Team Liquid. Là, c'est plus, en fait, une question de timing. Une fois que Gate sort de l'aggro de la tour, en fait, il aurait fallu que Kiss laisse le temps à Looper d'auto-attaque en premier. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, il avait une Bami, donc c'est vraiment une chance sur deux pour moi ici. Ouais, malheureusement, cette chance, enfin, tu peux pas la prendre. Limite, tu tempo le move et t'attends vraiment que le chien tank. S'il ne tank pas, t'abandonne. Là, malheureusement, bah, quand t'essaies de forcer un petit peu trop comme ça, surtout que si vient en termes de range, si tu dois aller taper un mec sous sa tour, bah, t'es qu'à 500 de range, j'étais très proche. T'es pas comme une Caitlyn en mode je me prends un coup de tour, je me replace. Là, non, malheureusement, t'es vraiment en plein milieu de la zone. Et Kiss avait son flash. Et ça, c'est vrai que c'est une excuse qui. Enfin, c'est un fait en fait qui t'empêche de vraiment de l'excuser. C'est là qu'on voit que Kiss, bah, est pas le meilleur ADC NA, malheureusement. Ouais. Il y a encore de la progression à avoir. Il y a Wild Turtle devant. Il y a Wild Turtle devant. C'est clairement. Oula, attention sur le bot side. L'ami Looper là, qui s'est un peu esselé. Le rappel du rideau. Contrax derrière, Smoothie également.
On tente de le sortir de la range, le hook et le flay. Petite lanterne derrière, on enchaîne, on met même la fatigue. Mais oui, on veut tuer ce Shen qui est très tanky. Voilà, c'est bon, c'est validé pour Contrax. Et derrière, on va pouvoir enchaîner sur cette phase de push. Il n'y a personne à la défense côté EcoFox au niveau du bot side. Et ça fait un nouveau stagnatif de Shen. Enfin, c'est dans les choux. C'est-à-dire que là, tu perds un gros temps. Tu ne peux pas faire de move avec Rengar avec ta Argy puisque tu ne peux pas avoir le backup de ce Shen pendant ce temps-là. Là, on a encore 25 secondes de mort. C'est long, c'est très très long en fait là pour les EcoFox à subir ce timing. Les Cloud9 ont une belle avance, on a 2000 gold d'avance. Alors certes, le premier dragon, ça a été récupéré par Fox, mais vu le dragon c'est pas grave. Là, c'est une T3 qui prennent les Cloud9. Ouais, effectivement, et ça va très très vite là. Attention, hein. Bah oui, deux ADC, on en a parlé. Le Rengar d'Acadia, le Stay United, le combo. Attention, Sneaky, on se repositionne, c'est Contrax qui va prendre la sauce. Contrax qui se repositionne, le heal, ça suffira pour le jungler C9 là qui se fait une frayeur. Belle opération encore, Cloud9. Qui arrive à récupérer 5 tours en 17 minutes de jeu et qui met d'ores et déjà un inhibiteur à nu chez EcoFox. Attention, hein. Attention, on n'est même pas encore sur le timing du pop du Nashor. Autant de tours de concédés, ça va être un vrai problème, notamment pour arriver à défendre les dragons et défendre la mid lane. La jungle bot side va être complètement ouverte maintenant pour C9. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, ils ont pas beaucoup d'armes pour contrer ça, les Fox. Le petit problème qu'il y a eu là, c'est la synchronisation entre Shen et Rengar. Et Shen Rengar, bah, ça se travaille. C'est-à-dire que dès que le Rengar jump, normalement le Shen pop exactement au moment, là il y a eu un petit décalage qui fait que le taunt n'est pas passé. Ça se joue à rien, mais bah, t'as pas le choix de travailler ça encore et encore jusqu'à ce que ce soit parfait, jusqu'à ce que ce soit en mode le Rengar, il sait qu'au moment où il va jump, il va y avoir le Shen. Et là, bah, c'était pas exactement parfait. Ouais, effectivement. Et ça coûte cher ça, parce que le petit pick-up sur Contrax, il aurait pu faire du bien en termes de gold. Et la line-up de défense en fait d'EcoFox qui n'arrive pas à tenir du tout, en fait, qui est même en train de se faire crush là. Tout simplement malgré le fait d'avoir un Kadian qui est très bien et un Froggen aussi qui est bien fed. Il faut reconnaître que sur le plan tactique, eh bien Cloud9 est largement supérieur. Et maintenant, on va pouvoir snowball en choisissant de contrôler la jungle topside. Cette fois-ci, Cloud9 qui avait l'embarras du choix. Les boards de contrôle qui sont investis autour du bleu adverse. Et maintenant, on ferme les taux sur la mid lane. Attention, Gate qui prend le rappel de rideau. Derrière, troisième bête qui passera pas la quatrième pour Kiss. Et derrière le disengage. Et un Kadian qui est forcé d'ultir justement pour mettre un petit peu de pression psychologique là aux adversaires. Les forcer à reculer, c'est une bonne chose. Ils n'ont pas réussi non plus à détruire toute la mid lane, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau du bot, le push qui est en place de la part de Impact, et Impact il est bien sur son Renek. Black Cleaver, Point Jorin, Tabi Ninja, ok, vous n'allez pas me faire de dégâts. Ouais, il est très solide effectivement là. Et pour le coup, donc Cloud9 qui n'arrive pas à débloquer cette tour au mid, ça va être un vrai problème ça pour arriver à passer. Parce que même si Inari n'a pas un wave clear excellent, bien que là on voit Froggen quand même qui est bien fait, tu en parlais, un Assassin qui est devant, en fait ça clear plutôt bien. Surtout c'est cette Sivir qui va être très dure à passer. Avec son essence river là. Et le speed push, bah, en fait, est un peu limité. D'une part parce que c'est un chaîne et que ça tient très bien. Mais d'une part parce qu'il n'y a plus de T2 à récupérer maintenant. Bah, c'est là où finalement est la grande force des Fox. C'est de dire si on snowball pas en early game, on aura du dépush dans les mains de cette civière. Et ils en avaient vraiment besoin vu la draft qu'ils prennent en compte. Ils veulent jouer un petit peu lent. Finalement, enfin, c'est une compo qui a de quoi temporiser la game. Et c'est quelque chose qu'ils vont très bien faire les Fox. C'est quelque chose qu'ils maîtrisent depuis des années. Voilà, attention, impact, on trouve tous les deux stuns peut-être, là non, on se ravise. Et d'ailleurs, ça fait plaisir de voir le nouveau Black Cleaver utilisé en fait. On rappelle hein, l'item qui a perdu de sa superbe en offensif, mais qui a gagné un peu plus de tanking. Et là, faut dire que ça lui réussit plutôt bien, avec ses 25 creeps d'avance, son kill récupéré en solo en 1v3, voilà, pas de problème pour la mini impact, là qui avance tranquillement vers sa transition. Deuxième item, alors... Quel choix pour lui avec ce Jorim? Est-ce qu'on va se faire un Sterak peut-être? Titanesque. Ah oui, autant pour moi, Titanesque forcément. Le Sterak est pas un mauvais choix aussi au bout d'un moment, étant donné qu'il va devoir aller vraiment en frontline, qu'il y aura un petit shield de l'Orianna, et que son but ça va être d'être bien placé pour qu'Orianna puisse faire un ultimate. Le Sterak est pas un mauvais choix au fond. Mais je pense que là sera la Titanesque d'abord, finalement, qui permettra d'avoir un peu de HP. On a déjà pris un petit peu de REM aussi, le manteau de spectre qui vient d'arriver. Nécessaire bien évidemment dans cette game. Et effectivement, ce Black Cleaver en fait, bah. Concrètement, pour moi, il bénéficie énormément aux personnages type Renekton qui ont besoin plus d'être en frontlane que aux persos type un petit peu Bruiser, Fighter, mode je vais mettre beaucoup de dégâts type Riven. Ah non, je suis assez d'accord, effectivement. Et Cloud9 qui attend son heure, en fait, on est un peu trop tôt dans la game au vu de leur snowball au niveau des bâtiments. Parce qu'on arrive à 21 minutes de jeu, ce qui est un timing sur lequel le Nashor est up, mais est-ce que tu peux vraiment te dire je vais go Nashor maintenant? C'est compliqué. Oui. Même mon NA, en fait, surtout parce qu'il n'y a pas de gros tank. Là, tu mets un Maokai au top et à la limite, pourquoi pas. Il n'y a même pas en fait, de bons personnages pour avoir vraiment le DPS rapidement. Il n'y a pas de Kha'Zix, il n'y a pas de Cassio. Donc là, pour Cloud9, on est un peu bloqué. Peut-être que les choses d'ailleurs pourraient se déloc sur le prochain dragon qui va arriver dans 4 petites secondes. C'est fait. Dragon Océan. Pas le plus intéressant en 21 minutes de jeu, après, c'est jamais poubelle.
c'est jamais poubelle, ça te fait toujours un petit peu de sustain, et ça te fait aussi des stacks et des incrémentations pour le dragon ancestral quand ce dernier va pop. On a le temps, là on a quand même encore le temps d'avoir deux dragons après celui-ci, à peu de choses près un cercle, le prochain va pop à 27 minutes 30, et le suivant pourrait pop à 33-30. Ouais, effectivement, attention là, l'ultimate, le enchasse qui était claqué, Akkadian qui part au chase, là qui est derrière, attention avec son Rengar qui pourrait arriver sur le back Cloud9, Cloud9 qui est relativement split. Attention à Impact là derrière. Ouh là, Frogun qui va rentrer. Akkadian, le Stay United, flash out pour Jensen. La shockwave sur deux joueurs, mais ça reste la fontaine. Contrax est bien positionné. Et sa DPS, Cloud9 qui arrive à reformer le pack et qui turn maintenant sur Gate, la quatrième balle qui va toucher dans le spell shield de Gate. C'est du 1 pour 0 pour le moment. Est-ce qu'on peut retrouver un engage? Ça semble compliqué. Oh, c'est très très bon ça pour les Fox. C'est extrêmement bon pour les Fox parce que là ça ouvre peut-être un baron. Alors est-ce qu'ils prennent le risque du baron? C'est peut-être pas mauvaise idée, hein. Akkadian n'est pas là, Looper n'est pas là. C'est-à-dire que la capacité de teamfight des Fox a disparu. Elle est plus présente. Alors dans ces conditions, t'as envie de snowball absolument. T'es à 3500 gold d'avance. Il faut aller encore plus haut, encore plus vite, encore plus loin. Et une fois que t'as ce dragon, bah tu peux enchaîner les tours. Oh, attention. Oh, le hook sur Frogun, excellent. L'éclosion mortelle derrière le Nashor qui est à 3000 points de vie. Pour l'instant, il n'y a pas de smite chez Echo Fox, on le rappelle. Attention, ça peut partir vite. Frogun qui va s'avancer. Le Nashor qui est validé. C'est bon. Gate qui vient de tomber. Derrière, on enchaîne le flash hook sur Frogun. Derrière, la rotation de contrôle. Le double kill pour Jensen qui prend sa revanche. Ça marche très très bien ça pour les Cloud9. 6000 gold d'avance sur ce move, ils étaient pas grand chose avant. Là on va revoir le fight, hein. Et le problème dans ce fight en fait, bah, c'est simplement c'est les petits caches. C'est à dire que Frogun y va mais il est un peu tout seul, il se fait exhaust instant, il doit sortir. Là t'as le combo Akkadian plus Looper, ok, et alors y a personne. Il n'y a personne avec le cercle, là le combo est bien réalisé, mais comme tu n'as personne avec eux, ça sert strictement à rien. Il y a un gros problème de synchronisation là dans cette game pour les Cofox. Ouais, effectivement en fait Frogun go avant que ce fameux duo se mette en place, et je pense que si t'as les trois joueurs qui arrivent en même temps, Jensen tombe et t'as pas de shockwave derrière, et s'il n'y a pas de shockwave derrière, Contrax n'a pas le temps de DPS et du coup on récupère pas autant de kills. Et ce petit détail coûte assez cher parce que Cloud9 maintenant bénéficie d'une main de Nashor, d'un avantage au gold de 6k qui n'est clairement pas à négliger, et on arrive dans un timing, bah, je pense que c'est le timing optimal en fait de cette composition d'équipe, en fait deux items ennemis. Pour une Orianna qui est quand même assez mid-game en termes de dégâts, pour un Graves et un Jhin qui frappe très fort également à ce moment de la partie. Attention, pour le coup là il faut absolument arriver à débloquer un inhibiteur, ils ont l'embarras du choix au vu du push qu'on avait déjà eu au niveau des side lanes. Ouais, bah c'est les deux tours, les fameuses deux tours qui ont été récupérées. Je trouve que c'est une bonne chose que Sinan justement ait mis cette pression là, comme tu l'as dit, hein, depuis tout à l'heure ils ont récupéré les tours. Et du coup ça leur permet d'avoir une pression massive avec ce Baron Nashor. Au bot on a une grosse wave qui est en train de push du coup, et ça a été ping, hein. Ça a été ping la part des Cloud9 en mode écoutez les gars, pour l'instant on push top, on push mid, juste après on fait une rotation bot et on a moins de force inhibiteur, il n'y a pas de T3. Oh là là, attention encore le répète du rideau. Frogun qui va tanker là. Ouais, pas tant de dégâts que ça à proposer. Attention l'arrivée, le combo, le Stay United avec Akkadian, la reposition est bonne. Attention à Shockwave qui pourrait partir. Looper est tombé. Contrax a fait qui derrière Impact, le stun sur Akkadian, c'est excellent. Le route, la Shockwave qui sera flash out par Akkadian qui prend ses jambes à son cou, qui va s'en sortir à rien du tout. Mais la T2 est explosée maintenant. Frogun qui a tellement loupé ses dégâts, il a visé à côté. Il a visé à côté malheureusement, et déjà c'est pas un match contrôle, c'est pas une Cassio où tu vas vraiment retourner à toi seul le fight. Mais là c'est avec une Harry en plus, tu loupes tes skill shots sur 5 personnes, ça devient bien plus compliqué et la team a pas les dégâts pour faire quoi que ce soit malheureusement. Là de toute façon les Fox ne peuvent pas remonter cette game. Ouais, ça semble vraiment difficile là, effectivement la T3 qui va tomber, l'inhibiteur d'Aminane qui va être pris. Est-ce qu'on va grid pour envisager le bot side? J'ai l'impression que oui, un contrat qui a déjà fait le déplacement. Et on y va pour Cloud9, comme un seul homme là. Sneaky avec son critique qui fait menacer bien sûr l'équipe Echo Fox, l'inhibiteur, c'est validé. Très belle phase de jeu, le powerplay qui est tout à fait efficace. 9 kills d'avance maintenant pour C9 qui est bien parti pour prendre cette game 1. Sans aucun souci, et ça s'est vu déjà dès le début de la game en fait au niveau du farm sur chacune des lanes. Quand t'as des lanes qui dominent tellement, qui te donnent de l'avantage 600-700 gold juste avec ça, on verrait early game, déjà c'est un petit peu compliqué. Bon bah du côté des Fox, il manque quelque chose en plus, il manque ici peut-être un looper plus efficace. Akkadian pareil, Akkadian sur Rengar, j'aime bien le perso, j'adore Rengar, mais je pense qu'Akkadian est beaucoup mieux sur Graves ou sur Lee Sin pour dire écoutez les gars, on est à moins de 10 minutes de jeu, je peux déjà vous aider. Ouais, il a fait le travail quand même sur Rengar, mais c'est vrai qu'un champion peut-être un peu plus early, puis bon derrière la duo lane a perdu. Et en fait le pick chaîne a eu du mal à être vraiment efficace parce que Cloud9 en fait a décidé de décaler sur le chaîne au lieu de jouer à l'opposé de lui comme on le voit très, très souvent, et ça a plutôt bien marché.
Et ça, c'est notamment possible grâce au pick greffe, ce qui a beaucoup de dégâts par Impact. Impact enfin mieux la mêlée. Stone va passer, contracte les dégâts. C'est pas suffisant malheureusement pour Looper et Arcadia. L'arrivée de Frogun, la destruction de Sneaky, la part de Frogun. Attention, l'action qui a été placée sur contract. Impact tank énormément et on va cancel le fight pour les Fox. Même si malheureusement, on va sacrifier Gate ici. Ouais, je pense que Gate est fini là. On va le chase. Dragon des vents qui s'active, mine de rien, qui lui permet de kite. Et derrière Smoothie, au chase, le play. Oh, le flash out, Gate qui tente l'échappée sauvage. La pomme explosive, paf, on se repositionne. Oh là là, il y a une qui met le ghost. Est-ce qu'il peut faire une exec, Gate? Attends, il va s'échapper en bas. Il va aller dans la jungle. Gate qui court, l'exaltation qui repop. La dissonance qui arrive aussi de la part de Jensen, mais il arrête. Il arrête le chase. Gate, ce génie, le Usain Bolt de la faille. Incroyable. Incroyable ce chase. Jensen qui ghost et qui n'arrive pas à rattraper cette karma. Ah, il y avait les mobilités, il y avait Dragon des Vents. On va revoir cette action. Voilà, Frogun qui trouve le spot parfait. Ah, écoute, Harry est en train de faire un petit retour là, j'ai envie de dire, dans la méta. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Et alors, même à plus bas niveau dans les teams françaises, on a quelques joueurs tels que Tonnerre et Trayton qui se remettent à jouer, c'était leur main. Et du coup, voilà, c'est pas le même niveau, on est d'accord. Mm-hmm. Mais les joueurs qui apprécient le perso peuvent se remettre à la jouer et ça se voit, ça se concrétise niveau pro, justement. Quoi. Comme quoi, c'est pas juste. Juste une petite lubie. Ouais, non, c'est un très bon champion. Hein. Et là, faut reconnaître, bah écoute, Frogun, même s'il a eu un early vraiment compliqué, maintenant 2-1-2, il a des dégâts qui sont énormes et il est en train d'avancer petit à petit là pour pouvoir snowball. En plus, c'est un champion qui peut porter quand même un stuff assez early game comme c'est le cas là. Il a même pas fait d'item de régénération de mana. Il a pas fait de Faker Build, j'avoue que je suis un peu déçu là-dessus. Le triple Doran BFG. Le double Doran Proto Belt Lich Bane. Faut aller mettre les auto-attaques et ça se fait, hein, mais moi j'aimais bien le DFG sur Harry, c'était rigolo. Ouais, j'aimais bien aussi. Et à l'époque où le bisou augmentait les dégâts des autres spells. Ouais, 20% de dégâts en plus. C'était assez hilarant, ouais. Mais bon, ceci est une époque révolue. Là, le problème pour moi de Harry, c'est qu'en fait, à part Sneaky, les autres sont durs à tuer, c'est qu'ils ont tous pas mal de HP. Il y a même des Mercuries en plus sur Jensen, et ce qui fait que même si tu fais des dégâts bruts, bah t'as les HP du Liandry qui compense. Pour la partie dégâts magiques, t'as en partie les bottes de Mercure qui filent une résistance. Et c'est là que ça va être compliqué pour Frogun, c'est que bon bah il peut tuer Sneaky, c'est bien. Qui d'autre peut-il tuer? Parce que Kiss actuellement il a pas de dégâts. Il a fait le fameux 2 items plus Astuce Power dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Mais il a quand même pas assez de dégâts par rapport à la tankiness des adversaires. Là, bon bah les Fox ils vont pas réussir à temporiser les 10 minutes nécessaires pour eux pour avoir les DPS. Ça me semble difficile, c'est sûr là. Et Clan 9 qui est en train de fermer les taux. On aide des méga sbires à avancer. Et alors le Last Whisper qui est très bien pour arriver à DPS en fight pour Kiss, mais pour Waveclear, une lame d'infini. Ça aurait été quand même assez agréable, hein, sachant qu'en soi, bon, il y a quand même de l'armure en face. Il y a double Tabi Ninja, il y a de la côte de maille en préparation. Mais ouais, un petit peu bloqué, Impact qui va mettre la pression au niveau du bot aussi. Et le reste de l'équipe Clan 9 qui est en train de faire la rotation au niveau du Nashor. Alors, quel choix? Est-ce qu'on va bait objectif? Est-ce qu'on va le rusher? Une fois de plus, ils n'ont pas une composition d'équipe qui est excellente, hein, pour arriver à récupérer Nashor rapidement. Non, mais après les Fox peuvent pas contester. Pour moi, en fait, il y a un problème de draft au niveau des Fox. C'est-à-dire que soit ils voulaient partir en mode on lock la game, on prend Sivir, mais on prend aussi Anivia, ou Caitlyn, Anivia, peu importe. Hein. Soit on veut jouer plus agressif, on prend Larry. Et dans ce cas, en carry AD, on adapte peut-être justement avec un Ezreal, avec quelque chose comme ça qui aussi aura un port spike assez tôt. Là où finalement, à 20 minutes, t'as Harry, t'as Ez, t'as Rengar, t'as Shen, et t'as moyen de faire des trucs. Là, il y a une compo qui est un petit peu divisée en deux, et je pense qu'ils jouent pas assez bien pour se permettre ça. Je pense que la compo, elle est adaptée en fait au profil des joueurs. Alors on peut trouver mieux, hein, si on part du principe que tous les joueurs jouent tous les champions, bien sûr. Oula, attention Impact, oh là, ce sidestep Impact, le Nashor qui est engagé là. Ça va vite, attention. Est-ce qu'on y va au bout? Akkadian, c'est wardé. Ils arrivent à cancel le Nashor quand même. Il y a Impact derrière qui n'a plus Dominus en plus. Oh là, Impact ouais, qui se fait turn, qui va flasher même. Il est en difficulté là, Impact, il est solo pour l'instant et il fuit à l'envers le turn. Voilà, c'est ce qu'il va y faire. Frogun qui se fait protéger par le Stay United. Impact, le Stay Akiaprog qui recule. Contrax qui fait toujours peser la menace d'un gros dégât collatéral, on se repositionne de part et d'autre. Frogun qui tente le jump in par deux fois. Ah, le charme qui passe pas, il meurt presque Frogun de l'ultimate à part de Contrax. Et là, le problème, c'est que ça offre le baron. Ça offre le baron au Cloud9. Frogun, il a pas touché son charme. S'il le touchait, forcément, le fight aurait été tout autre, mais c'est pas passé. Et là, ça bouge. Et là, ça bouge de partout, forcément, à pouvoir réengager Nashor pour Cloud9. C'est bien fait, la Gate prend l'information, mais est-ce que c'est pas un peu tardif, malheureusement, ce Nashor qui tombe très vite, Kiss qui a envie de zoner. Mais qu'est-ce qui n'a pas tant de dégâts que ça à proposer? Il va falloir rentrer dans la mêlée là pour Looper.
3900 HP sur l'objectif, ça descend et encore et toujours. Sneaky, il garde son cri depuis tout à l'heure, ça y est, il l'a fait sur Akkadian. Oh là là, Akkadian qui est prêt parti. Akkadian qui va peut-être tomber, Akkadian qui n'a plus beaucoup de HP, c'est Looper qui est enflammé de la mêlée maintenant. Looper, un Shockwave qui est flashé par qui, c'est très bien ça derrière contre Axe. Le jump-in, on y va, 1v2 pour l'instant, ça ne suffira pas. Akkadian qui réactive l'ulti, attention c'est très low chez Cloud9, le Nashor est complètement abandonné. Mais Looper qui a été tellement intelligent, en fait il a pris l'aggro de la plupart des gens, il est allé contre le mur, ce qui fait que Impact est entre le Nashor et lui, donc il se prenait les dégâts du chêne et les dégâts du Nashor. Au bout d'un moment, dès qu'il a vu que les ennemis avaient reculé, il est sorti de la zone du Nashor avec un dash, tout simplement un rush des ombres au Looper, et du coup finalement, les Echo Fox qui arrivent à défendre ce baron. Je suis impressionné parce que je m'attendais pas à ça. Ah, c'était bien défendu là, honnêtement. Echo Fox fait un gros travail. Et derrière, ça leur a permis de temporiser le repop de leurs inhibiteurs. Et donc, pour le coup, on a que 5000 gold d'écart. Et l'écart on est à 3000 minutes de jeu. Entre Kariadé. Allez, c'est vrai. Effectivement, c'est aussi l'avantage d'une Sylvia. Hein, quand t'as deux lanes qui sont sous Mega Spear, t'as un apport de gold qui est juste énorme. C'est vrai. Et là, pour le coup, on va pouvoir avancer vers le late game. Attention, parce qu'en late, Echo Fox, leur draft est très efficace. Ouais, c'est ultra fort, parce que t'as le chêne qui est en bien meilleur temps que le Renekton, et en termes de dégâts, il est pas tant derrière que ça, finalement, maintenant. Le chêne, ça deal énormément, il fait un Tiamat, enfin, il y a comme son Q-spell, etc. On a un Rengar, ça fonctionne très bien, c'est très tanky. Bon, Graves, pareil, y a pas de souci. Au niveau de la mid lane, alors, c'est là où je donne peut-être l'avantage au niveau de la Orianna, parce que c'est difficile de mettre en place une Ahri si tu touches pas le charme. Et t'es là pour essayer de venir en flanque, etc. C'est pas forcément la position la plus simple à gérer pour les Fox. Ouais, c'est sûr. Attention, encore, ça colle le Nashor, là, décidément. Cloud9 qui va sans hésiter. Midlife pour le moment. Attention, c'était United, Akkadian qui va rentrer dans la mêlée. Ça va jouer à 50-50. Steve, non ! Contract, c'est validé. Derrière, on va reculer massivement côté Cloud9. Smoothie, qui ne sait pas où donner la tête. Froggen, fatigue instantanément. Looper Impact au coup d'un coup. Akkadian qui va jump in, qui s'expose. Akkadian qui recule. Derrière, Smoothie en difficulté. Et Looper qui va s'échapper peut-être une fois encore. Et finalement, aucun des Echo Fox ne tombe et le baron est récupéré par les Cloud9. Mais ça passe à pas grand chose. Et là, je pense que Froggen a fait un tout petit misplay. C'est-à-dire qu'au moment où il y a Exhaust, il aurait pu juste sortir de la zone de rappel de rideau et garder un dernier proc d'ultimate. Il a préféré partir de l'autre côté du mur de façon ultra safe. Ça a diminué un peu sa pression. Or, misplay, attention, ça ne retourne pas le fight ni rien. Ouais, non, bien sûr. C'est vrai que Froggen, on te sent un peu hésitant avec sa Harry en fait. Hein. Il va tenter le jump in, mais. Vraiment, c'est du max range à chaque fois, on prend un minimum de risques. Et bon, faut dire qu'il y a aussi cette fatigue de la part de Smoothie qui est mise en permanence sur lui. Ouais, il arrive quand même à trouver 2100 de dégâts avec ça. Oui. Bah, à mon avis, il a peur d'un flay de Smoothie, n'importe quel petit CC qui pourrait passer, ce serait dangereux. Les Echo Fox vont récupérer leur deuxième dragon, et on va ici clôturer l'histoire des dragons de la faille de l'invocateur pour laisser place au vieux dragon barbu ancestral. Tu parlais tout à l'heure des vieux barbus, justement. Ouais, c'est vrai, l'ancestral qui pourrait apporter pas mal là. Et pour le coup, Cloud9, deuxième par round powerplay avec deux inhibiteurs à nu chez Echo Fox. Eh bien, écoute, c'est du pain béni. On va envoyer Impact en speed push qui a en plus son TP de up. Donc là, c'est une situation idéale. Par contre, attention, Froggen qui vient de récupérer son Rabadon. Donc là, en termes d'apport de dégâts, la Harry vient de passer d'une catégorie complètement différente. Elle a frappé excessivement fort. Sachant que chez C9, stun de résistance magique, il n'y a pas grand chose. Bah non, c'est assez limité. Et le point intéressant, c'est que ça a bien fait Sterak, hein, comme tu avais prédit du côté de Impact, au lieu de la titanesque. Et je pense vraiment pour le côté, bah, Impact, il est pas là pour mettre des dégâts. C'est-à-dire que. Voilà Shockwave. Voilà Shockwave, c'est raté. Qu'est-ce qu'on fait une engage peut-être Akkadian qui est en track là. Oh là la track d'Akkadian saute dans la mêlée, ça passe sur Jensen, mais il n'y a pas beaucoup de dégâts infligés. Impact qui tank énormément. Impact qui arrive à reculer. On est sous shield, on est gigantesque. Sur le turn à Looper qui prend le focus, Looper qui a pris beaucoup de dégâts. On se repositionne dans les rédemptions, bien entendu, des deux côtés. Et on va zoner cette équipe Echo Fox. Où le critiqué est passé sur Gate. Est-ce qu'on peut arriver à avoir l'inhibiteur? C'est validé. Pour Cloud9, on sent hein, que c'est compliqué. Echo Fox n'hésite pas à agresser. Et sachant que cette fois-ci, on a une Shockwave qui a été investie contre un ulti Rengar et en chasse. On a encore l'ulti Froggen, voilà, qui va être claqué. Jensen, qui vient de disparaître de la faille de l'invocateur. Et Cloud9 qui doit en rester là. C'est pas mal. Les Fox y arrivent à perdre uniquement un inhibiteur. Froggen. Quand même. Là c'est un peu loin, il a pas grand chose, le bisou qui touche pas. Attention les gros dégâts de Sneaky. Oh là là, attention Sneaky, oh, l'ulti d'Akkadian, c'est la déroute, la lanterne, le jump in Akkadian, il y a des buissons derrière, il y a des buissons, attention,
La boxe, le taunt, et c'est Smoothie qui va être sacrifié, je pense, ici. Sneaky qui prend ses jambes à son cou. Il n'y a pas de flash encore du côté d'Acadian, mais il court vite. Est-ce que... Non, pas assez, malheureusement. Pas assez, c'est pas mal, hein, les Fox, finalement, qui arrivent à retourner ce fight à leur avantage avec la réengage de Frogun qui n'a pas été le taunt. Le taunt, attention, Looper. Un V2 pour l'instant, le Kai qui a un double back cleaver, on le rappelle, hein, l'armure qui se fait shred. Looper qui prend énormément de dégâts, Looper qui vient de tomber. Sous les coups d'impact qui se fait kite derrière la Kiss qui auto-attaque tant bien que mal, qui veut clear cette vague de pierre et Contrax en V2. Oh Contrax, peut-il le faire? Akadian le flash, ça passera pas malheureusement. Frogun qui est revenu dans le fight, on n'arrivera pas à choper Contrax, on n'a pas de quoi aller le chercher. Le crit, le ricochet a pas suffi. Ah, j'y ai cru là, j'ai vu Gates s'avancer. J'ai vu que Sneaky l'avait vu. Eh, ça passera pas malheureusement, on va en rester là décidément. Echo Fox qui ne lâche rien du tout. Et qui arrive à récupérer quelques kills à droite et à gauche là. On entra quand même la belle prise de responsabilité de la part de Contrax, qui n'a pas hésité à faire face, là, qui joue sur la limite, vraiment sur le fil du rasoir, et qui arrive à récupérer son kill ici. 4-0-3 pour la nouvelle recrue C9. Et écoute, à la vue de cette game, on parlait tout à l'heure de la course au titre de rookie du split. Contrax est en train de marquer de gros points là. Ouais, ça lui ferait beaucoup de bien, hein, parce que Akkadian dans cette game performe un peu moins, alors sans être mauvais, attention, hein, mais compliqué. On attend encore la BF du côté, l'IE du côté de Kiss, et tant qu'on n'aura pas cette IE, les fights des Fox vont manquer un peu de punch. Hein. On voit, il y a du dégât, mais pas assez. Et là, dès que l'IE est terminé, mais c'est plus la même chose du tout. C'est-à-dire que Kiss, il va commencer à shred toute la nuit adverse, parce qu'il n'est pas inquiété dans les fights Kiss. À chaque fois, il y a une shockwave de Hansen, mais qui ne passe pas parce qu'il arrive à la flash out. Je pense qu'on est vraiment bien. Alors, on a reperdu les deux inhibiteurs, certes, mais il n'y a pas de baron, il n'y a pas de dragon ancestral pour le moment derrière. Le dragon ancestral va pop normalement, sauf de ma part. Donc, le dernier a fini à 33-30. Du coup, on a le temps, hein. C'est 7 minutes. C'est plutôt tranquille. Donc là, les Fox, en fait, ils vont avoir le temps que les inhibiteurs repop sans rien perdre, sans rien devoir forcer, sans rien devoir défendre. Ouais, ouais, effectivement, côté Echo Fox, ça va être un peu compliqué là. Après, Clown9 sans Nashor, est-ce qu'ils peuvent vraiment arriver à passer la T3 au top? Même avec deux inhibiteurs récupérés, je suis pas sûr. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de wave clear avec cette Ari, avec cette Sivir. Et derrière, on l'a vu, si jamais ils avancent un peu trop, Echo Fox a quand même suffisamment de dégâts et des combos redoutables qui font que tu peux pas te permettre d'avancer n'importe comment. Là, je pense notamment à Akkadian, hein, qui deal énormément. D'ailleurs, on est sur un Rengar qui a fait juste une plaque des morts en termes de tanking, qui reste quand même un item qui apporte du dégât, mine de rien. Et là derrière on avance sur un manteau de la nuit qui a vraiment frappé très fort, sachant que au niveau des carries, il n'y a pas de Zonia pour Jensen, il n'y a pas d'item défensif du tout pour Sneaky à part cet Abi Ninja, et je suis pas sûr que ça suffise. Ouais, je pense que c'est un choix intéressant de la part d'Akkadian ici, qui a donc la tankiness naturelle de Rengar avec son Z qui régène des HP. Il va y avoir donc la plaque des morts, le shield de la part de Looper potentiellement, le shield de Gate, et du coup il se permet de faire un petit peu moins de tankiness, étant donné qu'on a un Shen qui va être là vraiment en mode grosse frontline, en mode écoute Kiss, si tu veux taper, tape. Ou Impact. Il prend pas énorme. Ouais, ça va. Honnêtement, pour une Ari à 39 minutes de jeu, ça aurait pu être pire. C'est correct. Et il va falloir régène tout ça. Et on prend son split au niveau du bot side. Sneaky qui met la pression mille. Attention, Sneaky là qui est seul. Hein. Quasiment, Jensen n'est pas très loin, certes, mais sur une chasse d'Akkadian, ça pourrait vite tourner au vinaigre. Ok, on va rester relativement safe. La lanterne de Smoothie qui n'est jamais très très loin. Contre Expansion là qui fait avancer la vague de sbire au niveau du top. Et on va contrôler en même temps la zone autour du Nashor. Bien sûr, Nashor qui arrive dans 40 secondes au même timing d'ailleurs que l'Elder. Ouais, il va y avoir un choix de buff à faire ici de la part des deux teams. Là où les Fox bénéficieraient beaucoup plus, à mon avis, d'un dragon ancestral en fait pour prendre les C9 en fight et ensuite prendre l'objectif. Les Clown9, tu l'as dit tout à l'heure, ils ont besoin de ce Nashor en fait pour finir la game, pour push la T3 top. Ouais. Ouais, effectivement, on est à 20 secondes là du pop. Echo Fox toujours sur la défensive qui a du mal à lancer sa vision. Après, c'est aussi la force d'avoir un Rengar en fait. Hein. C'est que on a tendance à l'oublier, mais l'ulti révèle un joueur. Et lorsque les 5 joueurs adverses sont dans le pit du Nashor, eh bien, tu as une information très importante. Donc pour le coup, Akkadian, il va falloir utiliser son ulti avec un maximum d'intelligence. Et attention, catch la tête sur cette mid lane. Il y a l'IE du côté de Kiss. Il y a l'IE, oh attention. Oh, Impact, il s'est pas montré encore. Le rappel du rideau, c'est pas mal du tout. On va reculer. Ça buse, Impact qui a pris un bisou. Le flash play, Smoothie, nous, qui passera pas malheureusement. Et on force le flash up pour Gate. On force le flash out pour Gate, il y a eu le flash in de la part de Smoothie, c'est un 1-1 au niveau des flashs, au niveau des supports. Bon, finalement, il y a eu en chasse de Kiss qui a été claqué, maintenant on a la track de la part d'Akkadian, mais on arrive à défendre et surtout, Looper n'a pas eu besoin d'intervenir, c'est-à-dire qu'il a pu rester au dépush bot lane. C'est vrai. Et ça, c'est assez important là. Alors Akkadian, quel choix? Frogan, le bisou un peu piffé, un peu précipité.
Cloud9 qui va s'avancer. Cloud9 qui fait tourner son double dragon océan, hein, qui les fait régène petit à petit. Talon pour contract, c'est important. Attention, Impact là qui part à l'assaut. Le bisou. Impact qui tente très bien. Looper qui tente de tenir tant bien que mal. Mais là, ça a l'air d'être suffisant avec son Tiamat, sa cape solaire. Inhibiteur au bot met toujours la pression, mais pas suffisamment pour débloquer vraiment les choses. Quoique, Cloud9 là. Oh, ils vont y aller. Ils vont y aller. Et Looper, du coup, plutôt que de faire un stay United, hein, il est en train d'arriver directement en front, en courant très vite. Akkadian sur le côté, le Bolas rapidement qui va passer. Attention, le grab sur Akkadian. Akkadian qui se fait complètement des pop. Krogan qui rentre dans le mail. Yensen prend énormément de gars. Attention, Impact qui est en train de tanker. Il n'y a plus de rédemption, hein, chez EcoFox. Attention, là, on cherche à avancer. Krogan sur contract, c'est où sur Looper. Krogan qui redash in, mais il n'y a pas suffisamment de dégâts. Les dégâts de Kiss dans le fight. Il y a eu deux ricochets qui sont passés qui ont fait perdre 60% de HP. Contrax, il y va. Le critique là de ce Graves. On peut pas aller plus loin malheureusement, le Buckshot qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et on va penser à reculer. Et Kofox, regardez leur base, les Winions sont en train de faire le travail sur les tours de Nexus. Et derrière, Clan9 qui va pouvoir réengager Snasher. Ah, c'est dommage de perdre une tour de Nexus comme ça. On n'a pas utilisé le Stay United de la part de Looper en plus. Hein. Il aurait peut-être pu sauver Akkadian, un truc comme ça. Il s'est dit qu'il était mal passé, il n'est pas allé jusqu'au bout. Par contre, Kiss qui a mis des dégâts, mais complètement insane Looper. Et là, Kiss qui peut carrier. Hein. Kiss, attention, le Snasher. Kiss, c'est à toi. Kiss, c'est à toi. Le Smite. C'est validé, par contre, extension de Looper là derrière qui est un V3 pour l'instant. Pendant ce temps-là, Impact qui tente de Zenekis, là qui crit encore, ça va très vite cette Sivir. La lanterne, la pomme peut-être, là on hésite à Impact de Shout, c'est super close. Qu'est-ce qui fait vraiment peur à cette équipe Cloud9 et derrière Contrax qui régène sur ses Vrace. Le enchasse de la part de Kiss. Allez, on va essayer d'y aller avec l'exaltation aussi, peut-être sur contract. Il y a Smoothie qui est pas loin et finalement, on va juste réussir à aller se placer de façon safe. On a perdu Looper, on a perdu une T3, on a récupéré les deux inhibiteurs par contre du côté des Fox. C'est dur, hein. Ils subissent un petit peu la game. Et là, ce qui manque à Kiss, en fait, c'est du lifesteal. C'est-à-dire que dès que Impact est venu le zoner, bah, quand t'es dans. Si t'as du beaucoup de lifesteal, genre, je sais pas, une BT ou un truc comme ça, tu peux limite ignorer quasiment Impact parce que tu vas très gêne sur tous les autres. Là, t'as Impact qui te tape, qui fait perdre 60% de HP. Oh. Bah, Akkadian qui s'est perdu là. Oh, c'est flashé, la pomme, Impact là qui a envie d'avancer. Non, ça passera pas. Et derrière, c'est Elder qui donne vraiment des idées à ses Cloud9. Le Carapatar qui va être récupéré, les bons crits à 2K de la part de Sneaky. Qui nous a fait un jean critique en fait. Qui fait bien mal. Alors, ça va jouer sur un smite, Akkadian n'ayant pas d'ulti. Ouais, ça va être contesté. Enfin, ça va être concédé, pardon. Et GoFox tente une belle rotation sur la mid lane, mais j'ai peur qu'il se fasse couper court. On a comme pris la T2 mid du côté des Fox. C'est pas ouf. Hein. Après, il manque encore un item et demi du côté de Froggen. On n'est pas full stuff. Et là où en face, bah voilà, Tai Yensen, il a quasiment terminé son rabadon. Enfin, quasiment terminé. Il a sa baguette trop grosse. Il est tranquille. C'est son dernier item en tout cas. On a un Impact hein, sur Renekton qui fait un très très bon taf finalement. Et comme je dis, c'est-à-dire qu'ils ont Kiss. Et même s'il garde un Renek avec ce stuff là, c'est pas insane. Kiss arrive à le tenir à peu près. Il perd 60% de HP. Surtout, il a pas de life steal Kiss. Donc ça ne passe pas. Ouais, non, effectivement, ça suffit pas. Malgré le Warlord, et derrière, voilà, un inhibiteur de récupérer. On va pouvoir aller push au bot. Impact qui tank, qui tank, qui tank. Oh, on sustain, attention, la track, ça va être activé. On a Stay United à disposition s'il le faut. C'est bien, on se repositionne. Impact qui prend quand même mid life. Est-ce qu'on peut vraiment teamfight pour EcoFox malgré les points de vie de la draft Cloud9? Ça semble difficile, il y a de la régène, et puis cet Elder hein, change quand même pas mal de choses. Alors, certes, EcoFox a pu récupérer la T2 au niveau du top, mais voilà, encore ces deux inhibiteurs sont tombés. Et là, Cloud9 maintenant semble inarrêtable. Il semble inarrêtable, et après, on est face aux Fox. Et les Fox, c'est la team qui. Voilà, on arrive dans le créneau de jeu de Froggen. C'est maintenant Papa Froggen, dis-nous comment on joue. Raconte-nous une histoire. Ouais. C'est, et là, ça va être compliqué, ça va être long. Parce que les Snine, ils ont beaucoup d'armes. Hein. Le problème, c'est que s'ils essayent de forcer un objectif et que ça ne passe pas. Parce qu'effectivement, Renekton c'est un peu moins bon que Shen, etc. Bah, malheureusement, ça peut se retourner complètement contre eux. À ce moment de la partie, le temps de repop est beaucoup trop long. Et comme on a de quoi tanker du côté des Fox. Oula, et bien voilà, c'est comme ça qu'on joue. Tu voulais une histoire? Eh bien, c'est l'histoire du dépop sur un Karyade. Et là, du coup, Clona est en difficulté. Froggen qui continue. Le bisou qui passe pas, mais contre Rex qui se met à clé par un très bon taux. Le repositionnement qui est excellent. Et Leder qui tourne toujours. Attention, Looper qui prend beaucoup de dégâts, la zone anti-choc. La shockwave est derrière Impact pour un deuxième souffle dans ce teamfight. Akkadian qui est parti dans la mêlée sur Yensen pour essayer de changer un petit peu le focus adverse. Mais maintenant, c'est Kiss qui est prêt à partir. Kiss qui va devoir s'échapper, qui va mourir. Malheureusement, c'est terminé pour les Fox qui vont perdre cette game là-dessus. C'est dommage, c'est-à-dire que Looper, il était en plein milieu de la mêlée. Et je pense que Akkadian aurait mieux fait de sauter bien avant. Au moment où Looper s'est fait choper, il y avait la track d'Akkadian qui était up et il a attendu bien trop longtemps avant de rentrer dans le fight. Je pense que là c'est une petite erreur d'Akkadian à la fin. Ah, c'est excellent honnêtement ce que fait Cloud9 là.
Et on va pouvoir chercher la fin de partie, quoique Froggen. Un ulti qui va revenir soon. Ah, ça semble difficile. Hein. Il reste qu'une seule tour de Nexus, ça va très vite. Attention, voilà, le dash, c'est une chance Smoothie. On ne meurt pas sans donner quelqu'un dans sa tombe côté Froggen. Quoique, Smoothie qui tank. Oh, le hook a failli passer. Et Froggen, spectateur, voilà, qui arrivera à prendre son kill en solo. Mais voilà, Cloud9 prend cette première game non sans souffrance. Ouais, ça aurait été dur, ça aurait été long. Ils ont dominé du début à la fin, mais Echo Fox, c'est une team qui, bah, qui se laisse pas mourir, en fait. C'est une team qui essaie de faire le maximum aussi longtemps que faire se peut. Et ça ne passe pas au bout d'un moment. Alors bon, bah, c'est dur. Pour moi, il y a la draft qui n'est pas complètement cohérente, soit du côté où on agresse, soit du côté où on tempo. Après, il y a un mix. Ils ont peut-être aussi fait le pari simple de se dire, bah, écoutez les gars, on a quand même Shen, Rengar, Ahri qui peuvent prendre leur limit game si on y arrive. Et si on n'y arrive pas, on a du dépush avec Sivir. C'est-à-dire, ils ont aussi joué le coup, on assure une sécurité. Mais en assurant cette sécurité, t'as pas autant d'impact, je trouve, en late dans un teamfight avec une Ahri que ce que tu peux avoir avec une Sivir, une Orianna ou quoi. Là, le problème pour moi, Kiss aussi pareil, qui à la fin est pas super bien placé dans le fight, qui se fait choper par Impact, et pas de lifesteal. C'est-à-dire qu'il a racheté une BF au lieu de prendre juste un sceptre empirique, et je pense que ce sceptre empirique-là aurait fait bien plus de bien qu'une BF. Ouais, ça aurait pu changer pas mal de choses, effectivement, et pour revenir sur la draft Echo Fox, je pense qu'elle est, en fait, elle est adaptée au profil des joueurs. À savoir, on a trois menaces, Looper, Akkadian, Froggen, et derrière, on a bah, deux joueurs qui sont vraiment en retrait en termes de niveau, et on a envie de jouer de la dual lane safe, sachant que même avec deux picks safe comme ça, ils sont quand même fait avoir en 2v2, et derrière c'était censé assurer cette transition de late game. Mais voilà, Kiss, alors il a pas le niveau mécanique pour arriver à vraiment faire la différence, bah, comme un Deft par exemple, comme un Piglet, comme un Imp sur une Sivir, et bien malheureusement ça n'aura pas suffi. Après Echo Fox sort quand même de très belles choses, je trouve. C'est pas mal, du combo Stay United plus la track du Rengar, ça marchait vraiment bien. Ça fonctionne bien, c'est pas très dur à mettre en place en plus, à part la première qui était un petit peu ratée, mais globalement c'était cool. Froggen qui a trouvé les bons endroits, les bons flancs justement pour réussir à prendre des petits kills par-ci par-là, mais j'ai surtout l'impression qu'il y a quelques fights où c'est Akkadian qui était un peu perdu. En fait, c'est au niveau des teamfights vraiment où il n'arrivait pas à trouver le bon endroit, le bon moment pour mettre des dégâts. Bah, il arrivait, il ne mettait pas de dégâts, ça ne tanque pas énormément non plus un Rengar, ça n'a pas beaucoup de CC, et du coup il n'a pas réussi à trouver les bonnes opportunités à Akkadian. Je dirais que là où on s'attend à ce qu'il carry sa team, bah, dans cette game 6 ça n'a pas été le cas et ça s'est vite ressenti. J'aurais peut-être plus sur un Graves où du coup t'as ouais, moins de soucis, tu mets des dégâts et c'est parti quoi. Ouais, effectivement, Graves, peut-être un Lee Sin, en tout cas un jungler plus early comme tu le disais tout à l'heure. On va voir ça après une courte page de publicité, on arrête dans quelques minutes, à tout de suite.
we're a team that has super really high highs and low lows. So maybe it's like a gamble to see if we play high. It's a no-brainer. I think we can definitely win easily, but it's like I don't know how we're gonna play as a team on that specific day. So it's gonna be, I can't really predict it. Et un superbe sujet sur lequel Kiss nous donne énormément d'informations, tout plus Game Rakers des unes que les autres. Si on joue bien, on gagne. Bon, si pas. On joue mal, on perd. Voilà. Super mec. Je sais pas, on va voir. Bon, effectivement, il faut reconnaître que chez Echo Fox, cette première game a été quand même assez intéressante. J'ai notamment beaucoup apprécié le focus sur Eminem, sur Jensen. Ouais. Mais ça fait pas tout. Même si tu mets Norian à 0-3, Jensen reste quand même un joueur de tout premier calibre. Il a su garder son rang et derrière, l'effectif Cloud9 a pris son temps pour faire cette game. Ça a duré plus de 40 minutes tout de même. Ouais, ça a été très long. Ça a été long et le problème, c'est que Cloud9, ils essayaient parfois d'avancer un peu et Echo Fox disait non, vous allez pas finir. Écoutez les gars, on a Frogun dans la team, ça se finit pas avant 70 minutes une vraie game. Et du coup, on arrive dans la phase de pick et ban. Alors, j'espère, et l'Echo Fox, pour moi, il faut qu'il joue la folie. Voilà, le coup de la folie, genre écoutez les mecs, on va essayer d'être ultra violent, mais d'une violence rare, extrême et dangereuse pour les adversaires. Ouais. Et ça passe tant mieux, ça passe pas dangereuse. Tant... Oui. Ah mais toi, tu mâches pas tes mots, t'es un ouf, Gardo. Ah ouais, non, c'est un mélange, tu vois, c'est histoire de cumuler, c'est comme un petit nain. C'est pour dire qu'il est vraiment petit, c'est un joli pléonasme, bah là c'est pareil. Un oxymore. Non, oxymore c'est deux trucs opposés. Ah oui, c'est vrai. Exact, c'est pléonasme, petit nain. Ah mais c'est quoi le nom de ces figures de style où t'en rajoutes bah un petit nain typiquement. Bah c'est un pléonasme. Non mais il y a un autre terme que celui-ci. Ah je ne connais pas. Oh, bon, c'est pas grave. Alors si le chat challenger connaît, n'hésitez il pas. Il me semble qu'il y a un autre mot. Parce que... Aujourd'hui c'est la soirée vocabulaire. Voilà. Non mais il faut toujours apprendre des choses. C'est important. Il me semble qu'il y a un autre terme. Et bon, si vous êtes sage, après je vous raconterai des histoires. Ouais, pourquoi pas. Ah, sur les coups de 2h du matin, il y a des chances qu'il se passe des choses intéressantes sur ce cast, effectivement. L'histoire de la team Fox, Kiss nous expliquant que parfois il joue bien, il gagne. Ah, voilà, une hyperbole, merci. Et non pas un oxymore. Une hyperbole. Merci beaucoup, heureusement que vous êtes là, les gens du chat. Et donc, cette draft qui continue, donc on notera le Shen qui est banni cette fois-ci. C'est vrai que Shen, ça a quand même un impact qui est assez énorme dans le playstyle aujourd'hui, surtout voilà, avec ces junglers qui sont très agressifs et des compos au pick-up en fait ils jouent beaucoup. Shen est une bonne réponse et ça a combi au tank, au speed pusher, etc. etc. Du coup derrière on enchaîne donc Mazar, bon classique, le blanc classique aussi, Varus, Rengar et Ryze contre Jensen. Très bien, Cloud9 du coup qui se précipite sur le pick Graves pour contract, faut dire qu'il a été assez efficace sur la game d'avant. Alors la réponse pour Echo Fox maintenant, quel choix? Sachant que la Anivia de Frogun est open et on sait qu'en généralement Echo Fox est au dos du mur, c'est un champion qu'ils affectionnent tout particulièrement. Bah, s'ils ne la prennent pas maintenant, je crains qu'elle soit ban en fait dans la deuxième rotation des Cloud9, dans la deuxième série de ban. On va récupérer la hache, on ne prend pas le Jin, c'est assez amusant, c'est-à-dire qu'on ne prend pas Jin et Akkadian parce que Nidalee. Alors, j'avais dit que je voulais un petit coup de folie, moi je. Pourquoi pas pourquoi c'est pas. Un pick qu'il aime beaucoup et ça a été l'un des tout premiers joueurs à ressortir Nida cette année. Il faut dire que même si le champion est assez contesté en général, il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que c'est pas ouf, bah il a quand même un certain talent dessus. Bon, il a perdu par deux fois sur le perso, après 2.5 de KDA. C'est un joueur qui sait mettre du rythme et ça va bien dans son playstyle très agressif. On va aller invade, on va aller chercher la confrontation directe avec le jungler adverse. Et pareil, dans cette méta dans laquelle on voit aussi régulièrement des compos POC, jouer Nidalee avec son rôle de healer reste très efficace. Non mais soit, moi je veux voir ce que ça va donner à Akkadian dessus, après je sais pas, enfin c'est ta Graves qui est god tier et ta Nidalee qui est en face, c'est dur. On récupère, alors ça par contre c'est intéressant, c'est-à-dire que Impact annonce dès maintenant son Rumble sur la top lane, et là on a moyen de counter pour Looper. Alors après qu'est-ce qui counter un Rumble actuellement? Bon, c'est peut-être le problème, c'est que t'as pas vraiment grand chose pour counter un Rumble. C'est ça qui est extrêmement fort dans la plupart des 1v1. En 1v1, si, il y a quand même des choses. Donc, au niveau de la top lane, tu prends une Fiora, tu prends un Jace. Bah, ça le tient bien, il n'y a pas de soucis, mais Jace. Ah, il est pas ban. Il est pas ban, Jace. Pas ban, non. Go Jace. Oh. Camille n'est pas ban non plus d'ailleurs. Oh. Et on a préféré prendre la Kira. Ouh, tu as senti un gros compo POC là. Ouais, mais il y avait Jace. Ouh, vous sentez cette gap de 60 quand minutes tu veux une compo POC, pourquoi je prends pas Jace au lieu de prendre Karma? J'avoue. Ah zut. Après, je pense que t'as clairement pas envie de jouer contre une Karma quand tu vas jouer POC. Non, certes, mais Jace c'est un peu un des picks les plus forts en ce moment. Tu peux le jouer top, tu peux le jouer mid potentiellement aussi. Et top, justement, c'est amusant. Bah, je vais reprendre ce que je dis souvent, mais au niveau des worlds, c'est-à-dire qu'on a Rumble qui est revenu, du coup Jace qui est revenu pour contrer Rumble.
Enfin, il y avait Kennen un peu pareil, Jace c'était fort contre les deux. Du coup, Poppy est revenu parce que ça tankait bien face à Jace, etc. Mais là, t'as le Rumble qui est annoncé, bah part sur Jace. Enfin, le Jace, il est open quand même. Après, ceci dit, il reste encore la possibilité au Fox de récupérer Jace maintenant, si c'est pas ban. Ouais, ça fait quand même pas mal de choses. Donc, ban de Thresh, assez intelligemment, honnêtement, pour Echo Fox. Thresh qui est une très bonne réponse aux compositions Quack. Et Talon ? Ban Talon ! D'accord, donc là il y a peut-être eu une information de Scream qu'on n'a pas eu. C'est trop fort Talon. Et moi j'avoue que ça m'étonne de ne pas voir le champion, parce que il y a quand même pas mal de choses, hein, mine de rien. C'est vraiment skillé à jouer en plus, je trouve. Même si, bon, mécaniquement, c'est pas le perso qui te demande le plus, t'as assez peu de skill shot en fait en soi. C'est du dashing, voilà, bon, le ratissage a une zone qui est assez large, ouais, mais non, voilà. C'est du placement avec du jump de mur, etc. C'est voilà, plus de la vision de jeu, je trouve, en termes d'assassin par rapport à une Leblanc qui va te demander de trouver la bonne chaîne, etc. Ouais, clairement, mais du coup, t'as pas l'efficacité de la Leblanc à te dire je rentre dans le fight et hop, j'ai raté, je repars. Et du coup, voilà, c'est la bonne décision au bon moment, ou alors t'es foutu, et ça, je trouve ça intéressant. Gnar pour gérer le Rumble, ok. Ok, c'est pas un mauvais choix en termes de range, alors après, Gnar a une range auto-attaque qui est plus faible que le lance-flamme de Rumble, du coup, ils se marrent tous. Ça a l'air super drôle de Pignar, je sais pas pourquoi, mais ça a l'air amusant. Pignar, personne dans notre temps quand même là. Oui, non, après je pense que face à Rumble c'est pas un mauvais choix, le truc c'est que tu laisses Jace. Enfin, Jace en ce moment c'est ultra méga fort. Après, est-ce que Froggen partirait pas sur un Z? C'est-à-dire qu'on laisse Jace à Jensen et on part sur un Z mid. Ouais, mais alors là tu as un problème de dégâts chez Echo Fox, parce que Nida tu peux pas te reposer sur elle en termes de dégâts magiques. Ça, c'est pas assez régulier, donc un Z. Gnarry peut-être à la limite, pourquoi pas, mais là, honnêtement, avec ce pick Gnar, en fait, ils vont pas... Enfin, c'est bizarre, ils vont jouer Poke à moitié speed push, mais est-ce que Gnar est vraiment capable d'arriver à détruire un Rumble et à push tout seul? J'en suis pas convaincu, le perso quand même était bien nerfé depuis l'époque où il était joué hard speed push. Le build qu'on voyait sur le Gnar également, à savoir le Black Liver, mais je l'ai beaucoup moins fort en termes d'offensif maintenant par rapport à la saison 6 sur laquelle on voyait beaucoup. J'avoue que là, je me pose des questions. Sachant que la draft Cloud9, par contre, elle est parfaitement rodée. Hein. C'est brutal à souhait. On a du disengage. En plus, on a plus de time change pour arriver à contrer la hache. Derrière, on a que des lanes qui sont relativement fortes. Honnêtement, j'aime bien. J'aime pas du tout la draft Echo Fox. Il n'y a pas du tout cohérence, en fait. C'est on poke un peu avec... Alors, on poke avec Carmine, Dali, hache. Ça fait un poke, bon, un poke continu. S'ils veulent engage, on met un wall parce qu'ils n'ont pas d'autres engage en fait. C'est vrai que dans l'idée, c'est écoutez les gars, vous allez être 3 à poke, 4 peut-être avec le Gnar. Si vraiment ils veulent engage, on a un méga Gnar, on a un wall pour les balancer dedans. C'est-à-dire que peu importe où ils veulent engage, on a le wall et on a le Gnar. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est une compo qui est bizarre. C'est très bizarre parce que c'est pas le meilleur poke du monde. Enfin, on n'est pas sur du Corki, sur du Jay, sur des picks comme ça, sur du Ez. Mais c'est un poke qui fait quelques dégâts de zone, notamment la salve et la flamme intérieure de la part de Karma. Quelques Spirit Nundali, c'est un poke sur le très long terme. Et si à toi ça, les adversaires vont engage, bah, c'est nullifié par la zone de Froggen qui va permettre le kite, par l'exaltation de la Karma avec le mantra bien évidemment pour s'échapper. On a le wall de Froggen qui peut dire nope, et le wall de Froggen qui peut aussi dire yes si Looper il est en Mega Gnar. Il y a des synergies. Il y a des synergies, après c'est tellement des piques... pas top tier du tout. Ça fait genre il faut telle condition pour arriver ensuite à faire tel combo qui est valable dans telle situation, ça fait quand même beaucoup de choses. Là j'ai un peu l'impression qu'on a pris des picks de cœur en fait, on s'est dit bon la duo lane comme d'habitude on va mettre sur des picks safe, histoire qu'ils puissent faire leur taf dans toutes les situations. Froggen il fait ouais j'ai envie de jouer à Anivia, je pense sur Anivia, je pars sur Anivia. Akkadian, est-ce que là honnêtement, même si Nida c'est un pick personnellement que j'aime bien et que j'aimerais voir plus face à Graves. Là pick Nida face à Graves, sachant qu'il y a Kha'Zix de punt, sachant qu'il y a Lee Sin, sachant qu'il y a Rek'Sai, c'est... Ouais, ça me fait un peu penser à cette draft Immortos qu'on avait eu dans les premières semaines où il joue avec une draft qui en fait qui est juste sans queue ni tête, qui est juste full dégâts. Et là, côté Echo Fox, je sais pas si c'est vraiment travaillé. Honnêtement, je suis très curieux. Je sais pas, après voilà, quitte à ce que tu sois dans des games où c'est un peu compliqué à gérer, bah écoute, autant jouer ce que t'aimes et tu joueras sans doute beaucoup mieux de toute façon. Mais voilà, je suis un peu perplexe, après le seul pick là-dedans qui me paraît à peu près le plus correct, c'est la Nivea Froggen, parce que peu importe les drafts, peu importe les situations, il arrivera toujours à performer dessus. C'est, voilà, t'as quelques picks comme ça, quelques joueurs sur leur pick qui sont extrêmement bons, je pense que c'est solide dans toutes les situations. Ouais, c'est sûr, effectivement. Et Froggen qui sort la Nivea du carnaval au toucher de feu mortel, s'il vous plaît. Et non pas au Thunderlord, ni au Stormrider qu'on avait vu régulièrement sur la Nivea pourtant. Donc là, un choix vraiment de dégâts sur le temps, et surtout dégâts de late game en fait, qui va être assez intéressant. Oh, Infernal.
Premier dragon infernal d'ailleurs, en parlant de late game. Ouais, un dragon infernal, c'est sûr. Alors, honnêtement, pour Cloud9, ce dragon serait tellement bien. Enfin, c'est une compo quadra menace et c'est vraiment brutal. Hein. Le mid game Cloud9, le 2 items létalité. Alors, à voir si Sneaky build létalité, bien sûr. Mais dans tous les cas, on est sur quelque chose de particulièrement agressif. Et côté Echo Fox, bah, le tanking il se repose sur quoi? Il se repose sur un mantra shield de karma, ok, et sur un looper qui est censé se build en speed push. Donc en soi, il n'y a pas tant de choses que ça. Hein. Après, la grande force des Fox, c'est de dire on va être tellement loin que vous n'avez pas de quoi nous engage. Parce que votre seul engage, au pire, ce serait Sneaky qui place une foreuse mortelle. Mais avant ça, il faut déjà nous toucher. Et du coup, l'engage des Cloud9, c'est quoi? C'est Equalizer ou Poke de la part de Yensen, puisque il y a aussi ça comme qui a beaucoup de range. Oh. Et foreuse mortelle. Oh, l'invade de là, attention. Buckshot, on a trade hein, les petits corbins. 3 pour Contrax, 2 pour. Oh là, Aspire. Full drog. On t'a vu, Acadian. On t'a vu. Les Echo Fox avec. En termes de Fade Jungle, ça me rappelle, est-ce que t'as vu Wisdom ce matin? Non, du tout. Ah. Eh bien, écoute, je vais te spoiler sans vergogne. Vas-y, vas-y. Eh bien, on a un jungler coréen qui s'est fait exécute dans sa jungle. Comme quoi, ça n'arrive pas que dans tes solo queue. C'est du lag. Ah non, c'est terrible. Moi, dans mon solo queue, c'est moi qui me fais exécute dans la jungle, voyons. Ah, ça me détruit psychologiquement à chaque fois que je vois un jungler se mourir contre des bots. Ça fait dur. Et bien, du coup, c'est arrivé à Wisdom ce matin. Voilà. Ça arrive même au meilleur. Tu peux pas en vouloir à ton jungler en game. Non, jamais. C'est sûr. Et c'est marrant, c'est que du coup, Froggen sur Anivia, bah, je parlais tout à l'heure de la vidéo qu'il a fait, voilà, les pocket picks Froggen Anivia. Du coup, il explique quelques tricks dessus. Bon, notamment le fait que quand tu places un wall, en fait, l'adversaire va vouloir partir vers sa tour en général. Et du coup, ça va prendre le chemin le plus court, ce qui permet toi d'anticiper l'endroit naturel. Le wall, le but, c'est de le placer au milieu de l'adversaire, tout simplement. Ou alors, si tu places au milieu, tu sais pas s'il va aller à gauche ou à droite, en fait. Si tu places légèrement décalé d'un côté, ça va te permettre tout simplement de savoir où l'adversaire va passer, et du coup, de pré-shot tes spells. Et c'est super intéressant, c'est comme dans la jungle, si tu veux bloquer un mec, tu mets pas que le mur fasse toute la taille. Tu mets devant le mec et tu laisses un petit espace recoté. Parce que s'il fait toute la taille qui flash de l'autre côté, tu peux pas chase. Que si tu laisses un petit espace, le mec doit flash, sinon il est mort. Mais toi, tu peux chase quand même. Ok. Et plein de petits tricks. Au même titre que quand tu places le wall, comme ça décale ton adversaire légèrement, tu peux cancel des dashs de Rek'Sai, des dashs de Kha'Zix, etc., etc. De la même manière qu'on le voit avec le pilar de Trundle régulièrement. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est un personnage qui a vraiment un énorme skill cap en fait à Nivea. Mais ça, on ne dirait pas forcément comme ça sur le papier. Et notamment le wall hein, qui est vraiment l'outil qui fait la différence entre les Anivia mortels, on va dire, et les gods tiers comme celle de Froggen. C'est vraiment le seul joueur hein, qui s'est entêté à jouer ce personnage au fur et à mesure des années. Il faut dire qu'il a acquis une maîtrise du perso qui est vraiment remarquable. Donc on va voir aujourd'hui si ça va suffire. C'est un match-up qui n'est pas évident. Hein. Oh, Akadian. Il perd ses propres corbins, il perd les corbins adverses. C'est pas ouf. Et en effet, le match-up n'est pas évident. Et les autres joueurs à l'époque qui le jouaient en Europe, c'était MoMA et c'était Crepo. Oui, c'est vrai, Crepo, attention, Gate. Ouh, on recule ce mois-ci, petit coup de langue, on se repositionne. Et la duo lane Echo Fox, écoute, qui prend le meilleur pour l'instant après. Bon, rien de bien affolant, hein. C'est une karma contre un support mêlé, c'est normal qu'en début de partie tu sois devant. Ouais. C'est un petit peu ton job, Contrax ici, qui va être présent justement. Je pense qu'il se prépare au niveau du repop des corbins, et ça c'est assez intéressant, parce qu'on rappelle que c'est le camp qui rapporte le plus, bien évidemment, d'XP. Et Contrax ayant déjà récupéré quelques corbins au début à l'Andali, voilà, le camp vient de repop. Justement, il était là, il a mal calculé à quelques secondes près. Hein. Ouais, c'est sûr, là, et du coup, on push. Sneaky qui arrive à trouver le critique, mais Sneaky qui est un peu esselé là. Smoothie qui doit accuser un back, et encore une confrontation entre les deux junglers. Contrax niveau 4, Akkadian de même. Le red buff en poche pour le jungler C9, qui a l'avantage pour le coup, mais qui n'ira pas plus loin. On conserve des pings sur lui, bien sûr, pour garder l'information. C'est super intéressant, en fait, cette différence de playstyle entre les teams, je dirais, à un certain niveau coréen et même européenne, qui vont prendre la vision. C'est-à-dire que globalement, tu vas prendre la vision de la jungle adverse au niveau des corbins, à côté du red buff et au niveau du gromp adverse. Normalement, comme ça, tu sais où les junglers adverses. Et là, en fait, ce qu'on voit depuis hier soir en NA, c'est que les gens, ils ne s'embêtent pas à prendre la vision. Ce qu'ils vont prendre, c'est justement le camp de corbin adverse. Ils vont absolument à chaque fois essayer d'aller deny le camp de corbin adverse. Bah, tu le disais tout à l'heure, hein, c'est le camp qui rapporte le plus d'XP et le plus de gold pendant qu'on a un gank au top là, Looper, on met Gagnar. Après, attention, le stun sur deux joueurs, c'est bien fait. Le caillou derrière, le jump, on met beaucoup de dégâts. Looper qui prend également la sauce. Le harpon est raté. Looper coûte qui sort gagnant de ce trade. Il s'en tire super bien, Looper. Hein. Il fait perdre plus d'HP aux adversaires qu'il ne perd lui-même. Là, on va peut-être pouvoir faire une invade de la part d'Akkadian. Le problème, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a que les loups. Il y a les loups qui sont pas loin. C'est toujours ça de pris. Et on va revoir le move de la bot lane ici. Gate, la force mortelle, on doit flash out là-dessus. C'était close. Hein. Joli réflexe là pour Gate qui évite la mort de peu.
Et au niveau de la botlane, écoute, 10 creeps d'avance pour Kista, ça fait plaisir à voir. Au niveau du mid, on sent la domination de Jensen. Attention tout le Mugang d'Akkadian. Attention à cette spire. Alors là, c'est la grosse difficulté, il faut trouver le skill shot. Ah, c'est pas passé, c'est le fait, stun, c'est fait. Il y a Gate également. Oh là, le bon coup de marteau, Akkadian qui a pris énormément de dégâts, heureusement. Pour lui, Jensen n'avait pas le mana pour arriver à turn. Et là, il suffit d'une boulette overcharge hein, et le kill aura pu être récupéré. Ouais, c'est compliqué. Niveau 6 qui a été récupéré enfin sur Froggen, sur sa Anivia. Après, voilà, l'early game d'Anivia, c'est pas ouf et c'est vraiment le perso où tu vas attendre patiemment d'avoir ton stuff. Ça va être très long. Ça va être très long, mais c'est pas grave. Il a une téléportation, c'est là pour ça. Là, Froggen, limite, il fait un back dès maintenant. Et puis voilà, on est parti niveau dégâts. Alors d'ailleurs, autre point intéressant pour ceux qui ne savaient pas, mais il en parle aussi dans la vidéo, Froggen, au niveau du Anivia, il y a un mini burst qui se fait en fait quand tu appuies sur R, donc tu as des tics qui proc, et au moment où tu rappuies pour le cancel, tu as un dernier tic qui proc. Ah ok. Voilà, c'est du coup, tu as moyen d'avoir deux tics à la suite comme ça très rapidement, et le dernier tic au moment où tu l'enlèves ne coûte pas de mana. Ah, ça c'est bon à savoir. Ouais, effectivement, ok. Ces vidéos-là sont super intéressantes quand tu parles des pocket picks, je trouve, parce que c'est les joueurs, voilà, connaissent leur perso, pas qu'un peu quoi. Bah ça, oui, clairement, Froggen, il est sur le jeu depuis la saison 1 hein, et il est sur Anivia depuis la saison 1, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'égal en termes d'expérience sur le perso. Et là, pour l'instant, bon, il est derrière en termes de farm, mais on pouvait s'y attendre. Il arrive sur le timing catalyse, donc ça devrait aller un peu mieux en termes de tenue de lane. Après, attention au burst, hein, Jensen avec son Jace au Storm Rider qui peut faire très mal au niveau du bot. Ça chamaille un petit peu. Sneaky qui arrive à trouver le critique sur Kiss. Et maintenant avec la dague dentelée, plus cette épée longue, attention, hein, Sneaky il va commencer à avoir de bons dégâts. Mais alors derrière le POC, la flamme intérieure et derrière la rafale de Kiss, ça met énormément de dégâts. Cloud9, des temps souffrants sur la bot lane. Ouais, malheureusement ils subissent, bah, c'est une lane où ils se font full push. Et ça me rappelle exactement hier soir. Hier soir, je sais pas souvent, on a eu le même souci avec la Team Liquid dans la première game. Avec ce Ezreal. Qui avait voilà, le Ez et en face c'était MFH. Full push, forcément, et t'as une team, bah, dès que tu fais full push, t'es un petit peu en galère, même s'il n'y a que 16 de retard pour Sneaky, c'est tout à fait correct. Ça va, ça tient pour l'instant, effectivement. Il faudrait voir surtout l'état de la tour, qui va être la grosse problématique, d'autant plus que, bon, déjà, il y a forcément l'enjeu de la première brique, qui ça, on a dans toutes les games, mais là, en plus, il y a un dragon infernal. Donc, si la tour au bot tombe rapidement, ça pourrait faire un gros point, une grosse faille, en fait, dans laquelle on pourrait s'engouffrer côté EcoFox pour arriver à snowball et prendre ce Drake. Donc, on va voir, il y a Froggen qui sort de sa lane. On va aller prendre la plante revigorante au passage, sustain, et décale au bot. Alors il y a une bonne ward de contrôle, mais est-ce que ça peut vraiment passer? Ouais, ça semble compliqué, on va redécaler sur la midlane pour cette Anivia. Ouais, c'était la petite balade, hein. Au cas où, il y a un blue buff à récupérer au passage d'ailleurs, ce qui va lui faire beaucoup de bien. Normalement, Froggen, quand tu fais ça comme build, généralement, l'item suivant, c'est une larme de ADS. Alors après, j'ai déjà vu, c'était une Anivia avec un GLP, une fois. Mais généralement, Froggen il part là-dessus, Catalyst, l'arme de ADS. Et puis écoutez, les gars, on joue après 40 minutes de jeu. Ok, attention, impact là. Akkadian qui va faire son back. Ok, il n'y a pas de méga Gnar, il n'y a pas de contrôle, il y a le flash sur impact et il y a le déguisement hanté, donc il y a quand même pas mal de dégâts. Le choix safe pour le jungler EcoFox qui n'arrive pas à briller pour l'instant. Et bon, qui reste quand même avantageux en termes d'XP par rapport à Contrax. C'est pas vraiment déterminant. D'ailleurs, c'est une idée qui est partie sur Tabi Ninja First. Ça montre aussi à quel point est-ce qu'il a. Il ne sous-estime pas en fait Contrax dans le 1v1, un Graves, ça fait peur toujours. Bah, ça met beaucoup trop de dégâts. En plus de ça, t'as évidemment les dégâts de Jensen, les dégâts de Sneaky. Donc je pense que c'est un excellent choix vraiment pour survivre à un burst potentiel. Et là voilà, cette ward là, super importante de la part d'Akkadian pour aller prendre la vision sur le jungler adverse. Oh. Attention, attention. Oh, le terminus, oh, les dégâts, attention, et on a encore les dégâts collatéraux à Akkadian. Flash out, flash in, Contrax qui va aller au bout de son action, le first blood pour le jungler rookie Cloud9. Il est parti loin Akkadian. L'idée d'aller mettre ses wards, elle est pas mauvaise en soi, mais il faut absolument que tu puisses avoir du backup. Et là, bah, le backup n'est pas assez rapide. Enfin, t'as une Anivia d'un côté, là où c'est plus proche, c'est compliqué. Est-ce qu'on aurait une arrow? Est-ce qu'on aurait une arrow pour Kiss? Malheureusement, eh oui. Mais si t'as l'arrow, voilà, dévoration. Oh, c'est tellement bien fait ça, le big time game, ce qui est tellement fort pour ça. Attention, le stun! Ça va passer sur Jensen qui prend mid life dans cette tempête de glace. Et le wall excellent pour Froggen qui pourra le bout qui trouve par deux Frostbite. C'est mal, ça. Jensen doit reculer, Jensen est en danger de mort, là, forcé de flash out même. C'est pas tous les jours qu'on voit une Anivia mettre autant en danger un Jace. Ouais, et ce qui a été super intéressant, c'est qu'il a vraiment pris le temps, c'est-à-dire il touche le stun. Juste après, en fait, il va placer son R, son E. Et une fois, il met pas le wall directement, c'est une fois qu'il voit l'adversaire qui se dit je prends la direction de la jungle, au lieu de prendre la direction mid, hein, il a attendu ça où l'adversaire partait avant de mettre le wall pour le maintenir plus longtemps dans la zone. Non, c'était vraiment malin, c'est sûr. Et là, du coup, Froggen qui prend l'avantage sur la mid lane. Oh, encore sur le stun. Non, ça passera pas. L'ulti du time change, Froggen qui n'a plus de mana. Contrax qui arrive avec Smoothie, le flash in tout de suite, le coup de langue, Froggen flash out qui va tenter de gagner du temps, mais là qui semble honnêtement un peu condamné, l'éclosion mortelle qui va passer, la forme d'œuf est là. Alors qu'est-ce qu'on laisse le kill? Pourquoi avoir flash?
Ah, c'est dommage. Il avait pas Flash Forgun. D'ailleurs, autre petit trick qu'il apprend dans la vidéo, tu peux si tu commences ton TP avant d'être en 9, ton TP continue pendant que tu es en 9. Sauf que tu peux pas vraiment te faire cesser quand t'es en 9. Et du coup, voilà, les adversaires sont en train de te tabasser. Tu sens que ça se passe mal, tu TP out. Dès que t'arrives en 9, bah, ton TP il finit de se TP loin. Et t'es safe. Ouais, c'est un bon plan, effectivement. On note. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai retenu de cette vidéo. C'est pas mal. Ouais, non, mais les bons tips, hein, c'est important. C'est vrai que ça fait plaisir de voir les équipes comme ça dans l'américaine qui créent des petits tips pour les joueurs. Et même après 7 ans d'existence du jeu, il y a toujours des choses à apprendre, bien sûr. Ouais, complètement. Et c'est les genres de vidéos, c'est pas la première fois que je vois les vidéos, faut que je regarde. C'est sur la chaîne YouTube pour ceux qui veulent de LoL eSport tout simplement. Et ça s'appelle les Pocket Picks. Et il y a eu plusieurs joueurs comme ça qui parlaient leur petit perso. Très intéressant. Ok, good to know. Et à son niveau du top, Impact, Equalizer, Flash Out, Contrax qui est arrivé avec la Smoke Screen. On peut aller plus loin, la Spear qui est pas passée, Contrax avec son Red Buff là, qui met quelques dégâts sur Acadian. Et on va chercher cette T1 top, j'ai l'impression. Attention, ça va vite hein. Avec un carry AD. Est-ce qu'on peut dive? Ça semble compliqué tout de même. Looper qui a craqué son flash aussi. On sent Echo Fox hein, qui se fait vraiment malmener dans ce début de partie. Lead d'un Kagol par Plan 9. C'est compliqué. Plus Dragon Infernal. Et c'est là que c'est dur. C'est-à-dire que tu sais que le scaling des Cloud 9 va être très très bon via ce Drake. Hein. Tu vas gagner vraiment beaucoup de stats. On est déjà 8% d'AP d'AD supplémentaire. Mais les autres dragons, il faut absolument réussir à les défendre. Et attention, le rappel de Rideau aussi de la part de Sneaky. Sneaky, Gate n'est pas touché. Oh, la dévoration qui a passé. Oh, la communication, ce monsieur qui tombe. Et la rose, Sneaky qui va devoir flash out. C'est mal coordonné là entre les deux joueurs Cloud9 au niveau de ce bot side. Oh oui. Oh, la petite éclosion mortelle, Sneaky qui se rattrape là. Et on va rester du coup sur un 1 pour 1. Sachant qu'on a mobilisé Froggen au niveau du bot side. C'est avantageux pour Cloud9 ici. Quoique, attention, risque de concéder cette tour. Sneaky seul à la défense, Contrax se doit de faire le déplacement au bot side, accompagné de Jensen. D'ailleurs, on va fermer la porte, on va arriver à 3. Attention, on n'a pas de flash en Froggen, le très bon wall, on va passer au travers. Attention, le stun qui va être passé, Kiss derrière, qui va esquiver Froggen, qui prend son kill ici. Le monstre, et attention, oh. Les bons dégâts de Jensen, Froggen, non. La distance n'a pas été respectée, manque de respect de la part de Froggen ici, qui se fait instantanément pire, l'arrivée de Looper. Looper peut-être, on a Kaden aussi, c'est un 3v2 pour l'instant. Jensen a la fatigue encore, Jensen sur Looper, on va tout mettre, oh les dégâts. Looper, le méga gnar qui va pas tarder à sortir, le harpon et Sneaky qui va trouver ici l'auto-attaque pour prendre son kill, 5 à 3 pour l'instant. On n'hésite pas, hein, l'ensemble des joueurs qui décalent sur ce bot side, pour l'instant ça reste à l'avantage bien sûr de Cloud9. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on peut arriver à snowball en prenant une tour? Ça semble difficile. Ah, c'est dur, c'est-à-dire que le move à la base commence pas trop mal pour les C9, puis il y a un souci de coordination, puis finalement Sneaky récupère le kill, paf, les Fox counter, bon TP de Froggen ici, qui prend le kill sur Contrax, alors que le move des Cloud9, se dire on décale à 3 est pas mal. Et là Froggen après fait une grosse erreur, c'est en mode je ne respecte pas les dégâts d'Yensen. Il va se réavancer un peu. Bah en fait un Jay ça arrive très vite. En fait à partir du moment où il met Yumu plus ta boulette overcharge, il y a le Storm Rider qui proc. En fait c'est un Jay, c'est à 500 de speed qui t'arrive avec un dash. Bon. Même ouais c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et là Looper qui s'est fait vraiment peur. Hein. Si le coup de marteau passait, c'était la mort. Derrière il force le heal sur lui. Et c'est la Golden d'ensemble qui prend le kill en plus. Ouais, c'est assez bien fait hein. D'ailleurs, alors à noter pour Looper pour son Gnar honnêtement, regardez au niveau du farming. On a 40 creeps d'avance pour Impact, le pic pour l'instant n'est pas légitime pour moi. Non, ça fonctionne pas malheureusement. Acadian pareil sur Sandali, on vient de le voir bot, bah, il a raté sa spear sur Sneaky, sinon le fight était tout autre. Oh là, attention, mal. Looper, ah, il a raté le jump. Oh, il a pas fait le double jump. Ah bah, jump. Disparu. Ah là honnêtement, même avec un double jump, je pense qu'il s'en sort pas hein. Derrière le Jace, ça met tellement de pression comme champion en fait. Ça push vite, et surtout ça arrive de très loin. De très loin et très vite, parce que tu arrives avec une boulette overcharge à mid de range, tu procs ton Storm Rider si tu touches, tu actives ta Yumu et tu cours, t'arrives, tu passes en forme de marteau, tu mets les dégâts qui sont énormes. Acadian va se faire dive. Et ouais, c'est compliqué avec Acadian, ouais, le flash out, l'equalizer là, des bons dégâts, attention Acadian, peut-il s'en sortir? Acadian, il reste ulti, le flash heal de Contrax qui va aller au bout de son action ici et qui apprend à son adversaire qui va être le rookie du split. 2-1-2, et il faut reconnaître que dans la confrontation, ça fait deux fois que Contrax prend le meilleur sur son vis-à-vis. Ouais, tout à fait, il est extrêmement bon Contrax là ce soir, après deux fois avec Grace forcément, là où Acadian, bah, il a pas essayé de prendre ce pic une seule fois, enfin je suis pas convaincu du tout. Et du coup, bah, c'est là que la Nivea de Froggen va parler dans cette game, c'est en mode, bah, on va fermer la game, voilà, c'est écoutez les gars, la game se passe mal. Oh, ça touche. Oh oui, Froggen derrière, petite blink instant, c'est un oui. Frostbite, pas de problème, le kill et le backup de Smoothie, de Sneaky qui ne sera pas suffisant d'ailleurs, c'est un trap ici. Smoothie en difficulté, la posture qui est activée, Sneaky qui va tenter de DPS tant bien que mal, mais le wall
qui bloque la porte de sortie. Smoothie qui va tomber, Stinky qui va tenter de manger son mate. Contrax qui arrive également, pas du tout à disposition pour ce Graves, mais un dash-in interminus. Et attention, la protection de Frogun toujours sur ses coéquipiers. Avec une belle tempête de glace, encore un excellent wall ici. Attention, la Forest Mortal ici qui va toucher sur Kiss. Il y a le crit cap du côté de Stinky. Petit de la part d'Acadia. Attention, Frogun qui a pris quelques dégâts. On a plus de mana. Il faut reculer là du côté des Fox. C'est, le move était bien. On a récupéré 2 kills. Mais on a plus de mana. Ni sur Kiss, ni sur Frogun. On s'échappe. Qu'est-ce que c'est close. On va revoir d'ailleurs ce début d'action encore. Frogun hein, qui initie ici le mouvement. Qui enferme complètement l'insane. Qui met beaucoup de dégâts. Et puis derrière cette flèche de cristal enchanté aux petits oignons. Boum. Pile poil. Sur le retour des cooldowns de cette Anivia, c'était parfaitement exécuté. Et derrière, bah, la duel in Clan 9 qui arrive, hein, qui avait envie de backup, qui avait envie de vouloir participer et qui se fait sanctionner. D'ailleurs, Kiss et Gate, je trouve qu'ils sont plein de prises d'initiative aussi aujourd'hui. En tout cas, cette game 2, je les trouve beaucoup plus efficaces qu'en game 1. Ouais, clairement, et plus efficaces que ce qu'on attend d'eux habituellement. Je suis plutôt satisfait vraiment de leur prestation. Il y a le Dragon Infernal qui est up. Et là, les Fox, il faut qu'ils fassent attention. Il faut absolument qu'ils arrivent à gagner un fight. Parce que sinon, ils vont laisser un deuxième Infernal aux adversaires et c'est pas ce que tu veux, quoi. C'est-à-dire qu'ils en ont un, t'en as un, bon, bah, tu dis que ça s'équilibre. Surtout quand t'as une Anivia late game, Ashe late game, c'est pas mal. Maintenant, si les adversaires commencent à avoir deux dragons infernaux, là, déjà, tu commences à battre des fesses. Ça commence à faire beaucoup, c'est sûr. Et là, on est parti de cette phase de contestation et le poke encore de Yansen qui se fait sentir le TP. Looper qui va être en méga Knarr d'arrache et bien stacké. C'est smite et par contre, Axe. Looper, attention, l'Equalizer, le jump in, le méga Knarr sur deux joueurs. Sticky qui prend la rotation contrôle de l'espace et il se vient derrière. Contrax qui va tomber. Akadian qui cleave, tant bien que mal. Et le double kill pour Kiss. Est-ce qu'on peut accélérer et arriver à chercher un troisième sang? Frogun qui a envie là. Le wall qui devrait pas tarder à revenir. Ça semble difficile tout de même. Ah, attention, le rappel de rideau de la part de Sneaky. Si on va toucher Looper, l'orbe chargé qui touche de la part de Yensen. Est-ce qu'on peut continuer le chase? Peut-être. Impact, le stun, ça va passer. Frogun, le wall, c'est bien fait. Le flash in, le frostbite, ça suffira pas. Yensen qui est 1v4 pour l'instant. Yensen peut-il turn? Non, c'est compliqué malheureusement, on va en rester là. Lef qui a été pop tout de même et c'est du 2-0 pour Echo Fox. C'est là par contre Looper qui nous explique pourquoi est-ce que son pick Gnar il est efficace. Ouais, ça a bien tourné après, c'est un 2-0 et une tourbotte. Mais il y a deux dragons infernaux en face. Ils viennent récupérer le deuxième cercle. Là, au niveau des golds, on est identique. On est 34 chaque côté, pas de soucis. Mais deux infernaux. Et deux infernaux à ce moment de la partie, c'est à peu près 4000 golds. Ça fait beaucoup. Là. Attention, ce face check. Sneaky, le flash out, Smoothie. Le petit coup de langue au passage. Et Gate qui veut partir au chase. Gate qui veut son kill. La dévoration. C'est excellent. Actuellement, l'arrivée de Yensen pour un triple kill. Oui, messieurs, dames. Avec son Jay, 6-2-2. Pendant ce temps-là, Looper qui met du rythme. Looper qui cherche à compenser en cross-map. Ça part dans tous les sens, on est à 17 kills en 19 minutes de jeu. Ils sont allés bienvenue en NA. Ils sont allés tellement loin, les Fox, tellement loin. Pourquoi tu vas le chercher jusqu'ici? Enfin, je veux dire, le Jace, il est en train de back sur un mid lane. Et je suis... Ah, la Ward le voit peut-être pas. La Ward le voit peut-être pas, mais c'est tellement greedy d'aller jusque-là. C'est ultra risqué, quoi. T'as un Tamken, ça tempo énormément avec la dévoration. Yensen, il vient, mais il joue à Daptop. Le mec, il s'amuse, il récupère 900 gold. Ah, là, il s'est mis très bien. Faut dire que le contract, ça avait déjà fait une grosse partie du boulot avec ce Terminus dans le mur sur deux joueurs. C'était parfaitement exécuté. Et attention, Contrax, là, on a un 1v1 sur Frogun. Attention, le backup de la duo lane. Encore l'éclosion mortelle et les dégâts collatéraux, Contrax. Pour son troisième kill dans cette game. Et ça va permettre à Conan de pouvoir ouvrir cette jungle, steal ce blue buff. Et peut-être arriver à récupérer une T1. Peut-être la mid lane là qui va pouvoir leur donner des idées. Attention au niveau du top, Kiss. Il y a un Equalizer. Laro, c'est bien fait, on va kite. Mais derrière le harpon, la zone rouge. Kiss qui finit carbonisé. Et Akkadian tout de même qui vient venger son coéquipier. Kill plus assist, c'est worse pour les Fox au final. C'est-à-dire que quand t'es derrière dans la game, en fait, vu que tu vas gagner plus d'XP que l'adversaire sur un kill. C'est worse à chaque fois quand tu arrives à faire ce genre de move. Le 1 pour 1 est worse, surtout qu'il y a l'assist supplémentaire, pourquoi pas. Bon, après, sur la globalité de la map en termes de macro, c'est pas bon du tout, parce qu'ils perdent des tours. Mais sur ce petit move, voilà, j'essaye de me motiver pour les Fox, hein, mais j'y crois pas. Mais les Fox se battent, hein. On a que 4 cagoles de décart. Après, c'est vrai que ces deux dragons pèsent quand même assez lourd. Mais écoute, Kiss est bien dans sa game, Frogun est sur Anivia, et on sait que dans ce genre de situation, EcoFox est capable de stall la game pendant très longtemps. Ils ont un lead qui est très puissant, mine de rien. Là, faut reconnaître qu'on arrive à 20 minutes de jeu, c'est le temps fort de cette draft de Clone 9 avec voilà, le double palier de stuff de létalité qui fait très 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 mal. Le Rumble aussi qui est dans son pic de puissance. Si EcoFox arrive à tempo et qu'ils se prennent pas un Asher trop rapidement dans la game, il y a moyen d'arriver à revenir. Après, je suis d'accord, ça fait beaucoup de conditions à remplir. Moi j'aime bien cette stat. Les C9, quand à 20 minutes ils ont un lead, ils ont 75% de nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a 25% des games qu'ils perdent quand ils ont un lead à 20 minutes. Ah, est-ce qu'on est dans ces 25% là?
Moi, ça me laisse de l'espoir. J'ai envie d'y croire pour toi, Yannon, parce que je sais qu'Equipox, c'est une équipe qui te parle particulièrement. Ouais, parce qu'elle me fait marrer, en fait. Tu sais jamais à quoi t'attendre. C'est l'équipe de clowns. C'est que des mecs qui ont l'air super gentils, qui sont pas mauvais et tu sais pas à quoi t'attendre. Moi, c'est l'équipe qui m'amuse le plus. Voilà, c'est aussi. Attention, la flamme intérieure, ça va passer. Un petit peu de POC, mais ce time change commence à être relativement tanky. Et on va arriver dans une phase de regroupement là sur cette main lane. Alors pour l'instant on essaye de mettre un semblant de speed push en place côté Cloud9 et Kensen en top lane. Impact qui va rester avec son équipe malgré le fait que le TP soit up. Et attention ici, voilà, cette phase de map control, elle va être très risquée pour Cloud9 parce que ça peut arriver très loin en fait. Il y a une flèche enchantée, il y a un stun de Anivia qui peut partir, il y a même les arrows d'Acadian à ce moment de la game, il fait mal mine de rien. Ouais, c'est vrai, ça fait. Oh, l'equalizer, Progun, le heal, la quatrième balle, c'est pas mal, le wall derrière pour empêcher le backup. Ouais, c'est compliqué en fait, c'est-à-dire que les Fox, ils ont un late game qui est assez énorme, mais il faut attendre ce fameux late game avec déjà le Seraphon Brace du côté de Frogun, enfin il faut 3 items sur tout le monde avant d'être efficace, là aussi 9 c'est double item et il n'y a pas de souci. Ouais, clairement, l'attention, l'auteur qui arrive en méga Gnar, Impact qui arrive, qui pose le lance-flamme sur Acadian avec son Liandry. Ça fait mal aussi d'ailleurs, notre Impact est parti sur un Zonia. Donc attendez-vous à des flashs en zone rouge dans la mêlée en teamfight qui pourraient être assez agressifs. Mais pour ça, il va falloir une grosse confrontation. Et pour l'instant, Cloud9 a 2 CD majeurs de down avec cet equalizer et le rappel du rideau. Donc on risque de rester juste sur une phase d'avancée du map control, de rotation, peut-être prendre de vitesse cette équipe Echo Fox là, avec Looper sur son Gnar. 50 clips de retard tout de même, hein. Looper 0-2. Malgré cet excellent teamfight qui est sorti au niveau du dragon, il faut reconnaître que pour l'instant, c'est pas brillant. Non, bah il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. De base, le match-up pour lui était perdu. Après, c'est uniquement dans les teamfights. Et pour moi, il a pris Gnar en mode au bout d'un moment, j'arriverai à speed push. Et surtout, j'ai un combo de ouf avec Frogun. Et je pense que c'est exactement pour ça qu'il l'a pris maintenant. Le combo, faut qu'il se mette en place. Et comme on l'a dit, c'est long. C'est une game que les Fox doivent stall. Et le problème, c'est que c'est un jeu qu'ils maîtrisent très bien. Ça, le truc de ne meurt pas. On l'a vu la game précédente. Hein. Et grave qu'ils ont eu, ils sont pas morts avant 40 et quelques minutes. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est la meilleure défense NA, hein, Echo Fox, c'est pas pour rien, et d'autant plus quand la Nivea de Frogun est là. Alors après, attention, parce qu'on a une phase de 1-3-1 qui est possible pour Cloud9, et ça, je suis pas sûr qu'Echo Fox ait de quoi arriver à dire. Enfin, Marxi, il y a un TP sur Anivia aussi également. Ouais, c'est vrai que leur draft était quand même très bien pensé. Maintenant, on va voir Dragon des Montagnes qui arrive dans 8 petites secondes. Dragon qui est très important pour Cloud9 pour justement avoir cette accélération dans le mid-game qui leur permettra de finir la game avant qu'on arrive sur le palier 3-4 slots pour Echo Fox qui là risque d'être beaucoup plus dur à tenir. Ouais, ça va être compliqué à tenir et le truc c'est qu'on est que sur des Drakas. Attention, j'ai Drakas ici, contract sous exhaust. Est-ce que ça passe? C'est la Red Impact sur le côté. Gate qui est obligé de flash out. L'ultimate de Looper peut-être, est-ce qu'il peut placer un ulti pour cancel le fight? Non, ça a été complètement raté, Zonia, la part d'Impact. Et la dévoration, c'est parfait, le double kill pour Contract, c'est Jensen qui a envie d'aller, Jensen au dive, 1v2, le flash, il flash out, pas de problème. Excellent phase de jeu pour Cloud9, c'est du 3-0, écoute, et on va pouvoir avancer sur un inhibiteur sans buff nashor, pas besoin, Cloud9 qui frappe très fort dans ce mid-game, premier inhibiteur de la game. Langage de bourrin, c'est Equalizer flash-in, enfin... Ils ont rien d'autre en même temps pour engage, mais ils ont tellement d'avance au gold. Là, on est du coup à quasiment 9000 gold d'avance, un petit peu moins, on est à 8000. Mais t'as en plus de ça deux dragons à faire nous. C'est ça, c'est Equalizer, Flash-in, allez, on est parti. Ah, c'est excellent, et le flanking d'Impact qui est bon. Cette zone rouge, et là, regardez, Impact s'en fout, hein, il y va. Tu veux multi, mais je te zonia, mec, y'a pas de problème. Regardez ce coup-ci derrière, hop, dévoration. Aucun problème derrière, et là, Jensen. Bah, attends, mais moi je vous rush, les gars, moi je suis un Jace, hein. Top top. J'ai des dégâts énormes. Le flash out instantané, peut-être un peu panique, enfin un peu panique. On va dire très défensif, très safe. Il y avait peur peut-être d'un glaçon de Frogun qui aurait pu arriver et le crucifier. Et en plus derrière, Cloud9 qui récupère ce dragon des montagnes, c'est parfait. Et là après, bon, Echo Fox arrive à trouver le contrôle du Carapateur autour du Nashor, ça c'est très important. Et avec une Nidalee, un style Nashor n'est pas inenvisageable. C'est pas inenvisageable, on a la rame de ADS de Frogun qui se stack toujours doucement mais sûrement. Le Zonia aussi qui est pour lui, un Zonia qui est en préparation pour Acadian. Et du coup, ça va être des fights qui peuvent être en pot pendant 10 ans après. Hein. Mais bon, faut réussir les tempos. Je pense que sur le fight d'avant, Looper, en fait, comme il était condamné, plutôt que d'essayer de s'échapper, il aurait dû sauter dans la team adverse et faire un ultimate en plein milieu en mode bah écoutez, vous me tuez moi, mais vous tuez pas mes mates. Ouais, peut-être. Mais c'est pas facile d'avoir le sang-froid et de te dire ok, qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est une bonne question. Et là, pour le coup, Cloud9 va avancer la vision. Alors, quel choix pour eux? Est-ce qu'on va essayer de récupérer cette T2 top pour pouvoir vraiment asseoir ma contrôle facilement avant de prendre la short ou dans l'autre sens? Eh bien, ça va être la première option qui va être choisie. Maintenant, le wave clear d'Echo Fox, c'est quand même assez efficace. Frogun n'est pas encore là. Rappel du rideau. Oh là, qui sort l'Equalizer, qui a pris tellement de dégâts, qui tombe.
Les dégâts Cloud9 sont massifs. C'est un doublé. C'est une T2 top et on n'aura même pas besoin d'achat pour prendre le deuxième inhibiteur, j'ai l'impression. Mais ils se font tellement détruire. Enfin, il y a tellement d'avance, tellement de dégâts du côté de Cloud9. Comme j'ai dit, c'est des bourrins. Point final, ils ont même pas à réfléchir. C'est un bélier. Un bélier, un tank, démolisseur, tout ce que tu veux, juste qui avance et qui frappe, mais qui frappe tellement fort que tu peux rien faire. Et tu vois ta game se perdre comme ça, avec une arme de ADS qui n'est même pas terminée de stack pour une Anivia. Et là, honnêtement, tu mets à la place du Gnar un Maokai ou un Nautilus, c'est pas la même partie. Hein. Ouais. Là, je peux comprendre l'idée de Looper de vouloir speed push, mais regardez par rapport au Rumble, il n'y a pas photo hein, en termes de creeping, 56 d'écart, 2 niveaux d'avance pour Impact. Et en fight, en fait, Looper est pas assez tanky pour se mettre en opposition sur le rappel du rideau, ce qui fait que derrière la backlane est complètement exposée. Et ça va être la game. Ah, et ça, du coup, en fait, c'est ça en fait qui, sur lequel se repose l'engage Cloud9. Tu mets ton rappel du rideau, tu cliffes. Ah, les squishies sont low life, dégâts collatéraux du graze, t'as pris ton pick-up et à partir de là, tu fais ce que tu veux. Non, c'est le problème pour moi de la draft des EcoFox, globalement, c'est ce Gnar. Je vois pas ce qu'il a à faire là-dedans en fait. Rien, il tient pas le Rumble en 1v1. Malheureusement après dans les teamfights bah, faut qu'il y ait le méga Gnar qui soit up, il faut qu'il y ait un wall à côté ou un wall de Frogan potentiellement. C'est trop compliqué à mettre en place là où. Alors Maokai ça se fait complètement shred par un Rumble, mais d'un autre côté au moins en fight t'es efficace facilement. Je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus, ça tank très bien et t'es efficace facilement. T'as des engages à faire, t'as du CC. Nautilus ça dépoche mieux, je pense que Nautilus aurait été un meilleur choix. Mais après enfin, t'as plein de choses, t'as même une Fiora limite, ça me gêne pas, tu vois, Looper Fiora, enfin. Jace qui était open, on l'a dit, Jace était open. Et Looper on l'a déjà vu officier sur Jace d'ailleurs, il y a une game, Frugan était sur TF, Jace, il y avait Looper sur Jace, ça a super bien marché. Et ils choisissent de prendre Gnar. Je veux dire, t'as Jace d'open face à Rumble, et tu te dis que t'es payé, que c'est ton métier, que tu vas prendre Gnar. Bah t'as ça, puis t'as la Nida d'Acadian, avec Kha'Zix qui est disponible. Enfin, tu remplaces rien que ces deux pics là en fait, et la game est pas du tout la même. Mais et c'est ça, je suis perplexe. Pour EcoFox, pour moi c'était peut-être la game un peu tiltée entre guillemets, du genre. Enfin, je pense que vraiment Nida c'est le pocket pick d'Acadian qu'il aime particulièrement, il avait envie de la jouer, il l'a joué. Pour Froggen, ça Anivia, bah il la prend un peu en désespoir de cause, j'ai envie de dire. Et pourtant, par rapport à la game 1, la duo lane a fait un énorme travail. Ouais. Et ça n'a pas suffi. Donc là, pour EcoFox, il va falloir se remettre en question. C'est une semaine qui va être difficile encore là. Ils descendent une fois de plus au classement. Donc là, ils arrivent. EcoFox, ils arrivent à 4-7. Oh, derrière Dignitas. Ils passent derrière Dignitas. Là, la course au playoff, ça va être dur. Alors, ouais. Attends, je vais regarder les prochains matchs. Donc, on en a déjà parlé. EcoFox qui joue. Alors, Team Liquid. C'est faisable. S'ils perdent contre Team Liquid, honnêtement, pour moi, c'est foutu. Après, il y a Miglet. Mais voilà, à part Miglet, il n'y a pas grand-chose. Team Liquid, ils peuvent gagner ça. Ensuite, c'est Phoenix One. Et après, c'est Dignitas. Ouais. Phoenix One, Dignitas, CLG, TSM. TSM, ils les ont battus, hein, ceci dit. Oui. Ah, 2-0 en non, plus. Mais... Oui. Mais est-ce que tu y crois vraiment, genre? Non, pas du tout. J'y crois pas une seule seconde. Le problème, c'est que là, ce soir, ils auraient pu montrer bien mieux. Et là où, dans la première game, bah, c'est la bot lane qui pêche, dans la deuxième game, c'est Top et Jungle qui sont censés être un petit peu beaucoup plus forts, là, qui fail complètement à Acadian, qui a servi à rien, Looper qui a servi à rien. Bah, malheureusement, il y a un moment où quand tu as deux joueurs qui ont des picks qui servent pas à grand chose dans la méta, sauf s'ils sont ultra fed. Et qui malheureusement n'arrive pas à se mettre en place en fight parce que la team adverse a trop d'avance, plus des dragons à snowball, tu ne peux malheureusement rien faire. Ouais, et puis en regardant le planning, à part le match contre Envious qui devrait être récupéré par EcoFox, le reste ça va être dur. Hein, ils se sont fait 2-0 face à Envious la dernière fois. Oui, mais voilà, de la même manière qu'ils ont 2-0 TSM. Ça, pour moi, c'était plus un accident de parcours qu'autre chose. Je les vois pas gagner contre FlyQuest, je les vois pas gagner contre. Enfin, contre Dignitas, faut voir. Mais l'un dans l'autre, ça va vraiment être dur. Hein. S'ils veulent accéder aux playoffs, là, il va falloir cravacher et sortir des drafts mieux négociés que ça. Parce qu'après, le niveau de jeu, il est là. Hein. Froggen, il montre quand même de très belles choses. Kiss et Gates, ils nous ont montré qu'ils sont capables de dominer la lane lorsqu'on leur donne les picks adéquates. Maintenant, bah, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi au niveau du pick jungle et au niveau du pick top lane. Parce que là, pour le coup, regardez l'écart des dégâts. Enfin, dans la jungle, 5-2 à 12-7. Alors c'est juste abyssal comme différence. Ouais, bah, y a ça, enfin, c'est global, tout a été raté. Et là, au niveau, moi j'aime bien cette idée du dégât, quand même. C'est Kiss qui a fait le plus de dégâts de sa team. Ouais, non, mais Kiss a sorti vraiment une bonne c'était game. C'était inattendu, mais pourquoi pas. Puis quand tu vois les cartes de gold, t'as 11k gold d'avance à 26 minutes, plus deux dragons infernaux, qui à ce moment de la game te rajoutent entre 4 et 6000 gold d'avance, plus un dragon des montagnes, c'est-à-dire que de base, ils ont une compo qui est là pour snowball à 20 minutes, ils ont en plus les dragons pour hard snowball à 20 minutes.
Et là, t'as des petits Fox qui disent, bah écoutez, nous on a une draft, mais elle permet pas de tempo. J'ai une Nidali, je vais heal ma gueule, tu vas voir. Non, pas du tout, ça ne fonctionne pas. Donc bon, bah 2-0, on va en rester sur ce BO. Pour le coup, on va enchaîner sur le choc de la semaine, CLG contre TSM. Hot shot GG face à Reginald. Ouais, mais ça, bien sûr, sera après une page de publicité. On vient dans quelques minutes, à tout de suite.